Oh, but only why I can't have you now. I don't want you now. Once upon a time, in a particular community, there happened to be a boy whose name started to die. There happened to be a boy whose name started to die. His name is Ihunna Ehu Ajonwa. The choir gonna be Ihunna Ajonwa Ihunna. Oh, but the choir gonna be Ihunna Ajonwa Ihunna. Gidi gidi woke. Wabulano, I don't want to wear a bandana for you now. I'm on one a little while, who do be conning you? I'm on one a little while, who do be conning you? Mama, let's see a woe, woe, to the gimela. Papa, let's see a woe, woe, to the gimela. Papa, to be napia, when you're born a dairy carita. Aujourd'hui, ma mission sera accomplie. Ma mission sera accomplie. Hey, Yona, laisse ma mère tranquille. Qu'est-ce que tu fais à ma mère? Laisse-la. Yona. Yona. Ok. Tu ne peux pas laisser ma mère tranquille. Tu ne peux pas la laisser tranquille. Ok. Tu me dis. Ma mission doit être terminée. Tu ne veux pas laisser ma mère tranquille. Petit sorcier. Adogo. Ça t'apprendra. Oh oui. Tu étrangles ma mère. Tu ne veux pas la laisser tranquille. Tu es malade. Tu as la bouillie dans la tête. Idiot. Yona, ça va? Il ne respire plus. Il ne respire plus. Tu dis c'est comme s'il est mort. Maman, tu es sûre? Maman, il était trop bien. Il voulait te tuer. Maman, mais c'est ton frère, fille. Qu'est-ce que c'est? Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Frérot? Frérot! Hey! Vous avez tué mon frère! Maman! Maman! Maman, viens! Que veux-tu dire, frérot? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, regarde! Oh, regarde! Je ne sais pas! Hein? Frérot! Yona! Frérot! Yona! Il voulait tuer ma mère! Yona! Vous avez tué mon frère! Il voulait tuer ma mère! Vous avez tué mon frère! Maman! Ewa! Ewa! Attends-le-moi de sa part! Vous avez tué mon frère! Mon grand frère! Vous avez tué! Vous avez tué mon frère! Tu as tué! Ils ont tué! Tu es mon fils! Tu es mon frère! Vous l'avez tué! Tu as également mon fils! Qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils! Ils ont tué mon frère! Coucou, Kanter. Jésus. Adogo, qu'est-ce que tu as? Je t'ai juste touché. Que s'est-il passé? Je viens de faire un rêve terrible. Vas-y, raconte. Quelqu'un est-il mort?
T'es obligée de tout connaître, hein? Commère. Pardon. Pourquoi t'es comme ça? Je suis ta sœur. Je dois savoir. Partage tes rêves avec moi. Surtout les mauvais. Hein? Obioma, pardon. Pardon, en passant. Ma mère rentrait du marché. Ce rêve t'a vraiment effrayée. Tu as oublié que maman et moi sommes allés au marché? Et si je suis là, ça veut dire que maman est à la cuisine à l'heure où on parle. Obioma, écoute, je ne suis pas d'humeur pour tes blagues aujourd'hui. Je t'assure. Je ne blague pas? Je t'assure. Ok. Honnêtement, je ne le suis pas. Ah, rejoins-moi à la cuisine. Papa doit avoir très faim, donc on doit faire vite. Alors, rejoins-moi, oh. Je ne veux pas te chercher. Tu ne veux pas me raconter ton rêve? Oh. Ok. Juste derrière toi. Les gars, je suis fâché. Regardez comment la route est sèche aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que les gens nous évitent maintenant. Si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est pas bon. Ça craint, les gars. C'est pas bon du tout. Il faut qu'on change de route. Je vous dis, les gars, changeons de route. Sinon, on va mourir de faim aujourd'hui. Ah, je te jure, moi, je mec, ne veux pas ça. Je te jure. Attendez. Changez quelle route? Vous voyez pourquoi je n'aime pas traîner avec vous? Parce que vous abandonnez vite. Qu'est-ce qu'il y a, merde? Mais là, ce n'est que le matin. Ok, donc vous croyez que les gens n'iront pas au marché? Hein? Ils iront faire le marché. Restons d'abord ici. À leur retour, on va frapper. Pour cette mission, vous savez, il n'est pas question qu'on l'annule. Il n'est pas question que cette mission soit annulée. Alors arrêtez de dire des bêtises, comme on s'en part et pour aller où? Ce que tu viens de dire là a tout son sens, mec. On va attendre. La moindre chose, tu es d'accord. Tu es d'accord. Écoute, je vais te dire, Yuna. Hein? Quand tu nous parles souvent, n'oublie pas que nous sommes tes potes et non tes petits. Hein? Pourquoi tu te prends toujours pour un PDG d'entreprise? Toujours à commander les gens. Tu dois suggérer et on achète tes idées, pas nous commander. Gaga, ferme ça. À qui est-ce que tu parles comme ça? Je vais mettre ce truc dans ton scrotum, idiot. Tu vas entendre. Chut. Je te jure que je suis pressée. Mais je te jure, je ne reviens pas du tout. Regarde, ça fait des quoi, ça fait couper. Tu es terrible. Je vais me dépêcher. Ah, tu vas voir, je vais le faire. Ma sœur, dépêche-toi. Je te jure, essaye. Regarde-toi, allez, vas-y, pile bien. Toi, tu es là à me contrôler. Ah. Bonne question. Bonne question. Regarde-la. Elle sautille là, comme un pingouin. Elle cherche les problèmes, partout. Et tu sais quoi? Quoi? Je crois que je suis d'humeur. Hein? Si elle tente de ces bêtises-là aujourd'hui, je vais la battre. Et je vais casser ces bêtises-là. Je te connais. Ah! Je te connais, ma sœur. Hey. Qu'elle sait, regardez-les, des sales commères. Tout ce qu'elles savent faire, c'est concaner. Et à bomber le torse, comme si ça leur rapportait quelque chose. Mais à la fin de tout ça, ça ne leur rapporte rien du tout. Hey! J'espère que tu ne parles pas de moi, oh. Hey! Tcho. Je savais que t'allais dire quelque chose. Adougou. Si je parle de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Chisom, tu me connais très bien. Quand tu manges le fer. Tu me connais. Et c'était bêtise là cet après-midi. Je vais te montrer que je ne suis pas ton égal. Ada, dégage. S'il te plaît. Pardon. Laisse-la aboyer. Elle sait que vous n'êtes pas des égales. Oui. Regarde-la. Elle cherche qui va la tuer. Ada, écoute-moi.
Elle est déjà un cadavre ambulant. Oh, Bioma. Oh, Bioma. Oui, oh. C'est toi le cadavre ambulant. En fait, tu es un mort. Drôle. Cadavre ambulant. Elle t'a touché. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec des gens comme vous. J'ai mieux à faire de mon temps. Elle t'a touché. N'importe quoi. Elle t'a touché. Avec vos mauvaises odeurs. Elle t'a touché. Reviens. Non, 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 reviens. Brandy de balai. Reviens, ouvrir ta gueule. Stupide chose. Tu vois celle-là? C'est bon, ne perds pas ton temps avec cette stupide chose, s'il te plaît. Finis ces légumes avant que maman ne rentre. Tu l'as vu? C'est son. Tu me connais très bien. Qui parle même? Je te dis. Une paume à genoux. Je ne sais pas comment papa a fait pour engendrer une courte fille. Je ne sais pas d'où elle sort. Je suis grande, toi aussi. Pourquoi est-elle courte? Je ne sais pas. Hey mec, regarde. Il y a un gibier qui arrive. Ça, les gars. Hey, t'as vu, elle est canon, mec. Écoute, écoute. Écoutez, les gars. Tu prends le portefeuille et Ouna prend le téléphone. Moi, je veux son corps. Bah, ne recommence pas. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas seulement laisse le téléphone. Laisse-la, la fille, mec. Aide ton frère, toi aussi. Oh. J'essaie de me tuer. Ah, laisse-moi, je vais travailler. Beauté, comment tu vas? Quoi de neuf, ma belle? Donne-moi un instant. Arrête-toi, je veux te causer. Pourquoi tu marches si vite, non? Et Ouna, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur pour tes problèmes. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Regardez les formes du bébé. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. Reste très loin de moi. Simplement parce que je t'ai dit bonjour que tu m'insultes, hein, ma belle. Je m'en vais quelque part. Ne me dérange même pas. N'essaie pas. Mais c'est que ton visage me plaît bien, hein. Ouais, c'est vrai. Que je te laisse, c'est ça. Laisse-moi tranquille. Reste loin de moi. Plus. Oui. Mais... Pardon. Que ta volonté soit faite. Je n'ai pas le temps pour ça. Ouna. Ouna, je n'aime pas ça. Tu t'es mal. On te parle. Donne-moi mon sac. Tu voulais une baffe là. Allez, tais-toi. Ouna. Moi ça, mais la lâche ça. Je n'aime pas ça. Allez, allez, s'il vous plaît, allez. Ce repas est délicieux. Merci, chérie. Mange jusqu'à satisfaction. Si tu en veux plus, j'en apporterai encore. Il y en a encore à la cuisine. Ah. Mm-hmm. Hey. Ça, c'est trop bon. Chérie, mange comme tu veux. Mm-hmm. Mange comme tu veux. Si tu en veux encore, je vais te servir. Il y en a plein. Hey. Oh, c'est encore chaud. Mon mari, je suis là. Le repas est prêt, regarde. J'enlève ces bêtises. Quel c'est repas? Encore chaud. Mary, quel repas? Le repas. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que tu ne vois pas que je suis déjà en train de manger? Papa, pardon, ne parle pas comme ça à maman, non. Organé. Ah, bah, non, non, non. Laisse-le me parler comme il veut. Hein? Il mange du poison à la place de la nourriture. C'est pour ça qu'il pense qu'il peut me parler n'importe comment. Hmm? Tout ça à cause de cette sorcière. Regarde, 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 regarde. C'est ça la nourriture? C'est ça la nourriture? Hein? Dis-le-moi, hein? Regarde. Hein? C'est ça la nourriture? Hey! Berk! Mary, pourquoi tu aimes les problèmes? Hey! C'est à moi qu'elle parle. C'est à toi que je parle, Mary. Tu as servi la nourriture à notre mari hier soir. C'est mon tour de le servir le matin. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Attends, attends, attends. As-tu dit que c'est ton tour de servir la nourriture et tu as servi le repas? C'est ça la nourriture? Je veux dire ce poisson. Regardez, 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 regardez ça. C'est ça la nourriture? C'est ça la nourriture? Hey, hey. Hein? C'est ça la nourriture? C'est mon repas que tu traites comme ça? Tizam, maman, qu'est-ce que tu attends encore? Jette vite ce poisson! Qu'est-ce que c'est? Tizam, comment ça, jeter? Hein? Enfin, attends, c'est du poisson! Mais, attends, tu n'as qu'à m'aimer! Qu'est-ce que je vois? Tizam, qu'est-ce que tu fais, hein? Hein? Je lui ai dit de jeter ce poisson! Arrête ça! Arrête quoi? Jette ça, c'est du poisson! Tizam, c'est à toi que je parle, arrête ça! Arrêtez quoi? Tu viens de jeter la nourriture de ma mère? Marie, mange! Hey! Tizam! Chisom, je vais te battre dans cette maison. Tu oses verser la nourriture de ma mère? Tu es malade? Ada? Tu es malade? Je. Maman. Je. Ok. Qu'est-ce qui vous prend?
Comment pouvez-vous verser cette sauce? Vous voulez les problèmes dans cette maison? Allez, arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez ça tout de suite. Non, mais arrêtez de vous battre. Arrêtez ça tout de suite. Vous deux, ça suffit maintenant. Arrêtez de vous battre. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, maman. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Relax, maman. Obioma et moi sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Ne regarde pas cette femme et ses enfants. Ne t'en fais pas. On va la traiter dans cette maison. Très bien. On va lui donner du trouble. Elle veut la guerre. On va la lui donner. La guerre. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait de mal. Quoi. Pourquoi me déteste-t-elle à ce point? Maman, pourquoi parles-tu ainsi? Elle n'a pas à t'apprécier. On n'en a pas besoin. Mais peu importe ce qu'ils veulent dans cette maison, on va leur donner. La guerre. Oui. On va la donner. Oui. Comme ils ne veulent pas la paix dans cette maison, on va leur donner la guerre, maman. On est prête pour eux. Peu importe ce qu'ils veulent. Peu importe où, n'importe quand, on va leur donner. C'est quoi ça? Nkem. Vous imaginez ça? Juste parce que, maman, tu n'as pas de fils. C'est pour ça que cette femme et ses enfants pensent qu'ils peuvent commander dans cette maison. Mais maman, ne t'en fais pas. Maman, ne t'en fais pas. Nous sommes là pour toi. Elle a oublié que ce qu'un homme peut faire, les femmes peuvent le faire, même 10 fois. 10, 20 fois. Oui, Atoko, je suis avec toi. Ne t'en fais pas. Je suis sous. Maman, nous sommes là pour toi. Maman, ne t'en fais pas. Calme-toi. Ne pleure plus, oh. Je ne veux plus que tu pleures. Ne pleure plus. Désolée. Désolée. Maman, arrête. Vas-y doucement. Ça fait mal. Jay. Désolée. Oh, désolée. Elles ont pu nous vaincre parce que votre frère n'était pas là. Je connais très bien mon fils. Il va leur faire payer cher à son retour. Hé, maman. Vous aurez dû y penser avant de déclencher cette bagarre. Vas-tu fermer ta gueule? Regardez qui parle. Où étais-tu quand on bagarrait? Hein? Traîtresse. Traîtresse. Tu as fui, non? Que je t'entende encore. Elles sont toutes mes sœurs, mais tu as refusé de l'accepter. Maman, je vais battre cette fille. Écoute, si t'as rien à... Désolée. Si t'as rien à dire, c'est mieux pour toi de quitter cet endroit avant que je te fasse quelque chose. Ne le fais pas. Oublie-la. Traîtresse. Tu sais que tu ne te sens pas bien. Tu es encore faible. Tu me déçois. Ce n'est pas fini, oh. Ce n'est pas fini. Désolée. La tête te fait encore mal. Désolée. Adougou et sa sœur auront de mes nouvelles. Ah oui. Elles auront de mes nouvelles. Ah oui, oh. Grande sœur, dis la vérité. Maman Adougou et ses filles ne sont pas ton problème. Quand le tonnerre te frappe. Oh, heureusement que j'ai déjà mes livres. Mes amis ne vont plus se moquer de moi. Nawao. David. Tu sais à quel point j'ai les blagues. Surtout quand il s'agit d'argent. Où sont les 2000 que j'ai gardés dans ma chambre? Frère Mbosier, Je les ai pris. T'as pris mon argent? Oui. Le seul argent qui me restait? T'es normal? Donne-les-moi. Maintenant! Grand frère, je les ai utilisés pour acheter mes livres. T'as fait quoi? J'ai acheté mes livres avec. T'as utilisé mon argent pour acheter tes livres? Oui. Mon argent à moi? Je suis pas ton père, mec. Dosier, je suis navré, mais je n'avais pas d'autre choix que de les utiliser. Mais je te promets que dès que j'aurai un peu d'argent, je vais te rembourser. Espèce de sale con! Écoute-moi, si tu remets pas cet argent là où tu l'as pris, je vais pas seulement te tuer. Je vais me rassurer de te tuer et t'enterrer dans cette maison. J'ai dit que je vais te rembourser ton argent. Oh, tu parles encore? Tu oses me répondre? Rembourse-moi mon argent, espèce idiot! Regardez à quoi il ressemble. Reviens sur mon argent. Je t'ai dit de faire une affaire. T'as intérêt à me rembourser. N'importe quoi. Attends, ils ont eu le culot de te frapper. Hey! Hey! Oh. Frérot, hey, si t'avais vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Elles nous ont tapé, maman et moi. Cet idiot n'était pas là. La façon dont elles chauffent toi. On va leur montrer. Elles nous ont tapé, maman et moi. Cet idiot n'était pas là. C'est celles qui sont allées les chercher, oh. Grand frère, ne les écoute. Méchant, nous. Traîtresse.
Au lieu de bagarrer pour ta famille, tu es là à défendre l'ennemi. Espèce de traître. Maman, maman, laisse cette fille. Ah, tu vois, on est prêts pour elle. Je vais les exterminer. Exactement. Tu sais quoi? Prends la bombe et toi la Kalachnikov. Moi, je m'occupe de récupérer les autres armes. Allez, allez, on vite, allons-y. Je leur ai dit, d'attendre que mon fils vienne. Je leur ai dit mon fils. Allez, prenez les bombes. Bamba, attends un peu. Je ne veux pas que ton père meure. Mais tu vois ces stupides filles. On va leur montrer le feu. Mon fils. Ok, en route. Oh, Dogo, finis-les, je te suis. On saura qui tu es dans ce ennemi. Allons-y. Je suis derrière toi. Compte à toi, je vais te battre aujourd'hui. Je suis derrière toi. Mon frère est de retour. Je vous l'avais dit. Attends, mon fils est de retour. Il est. Où est-ce qu'elles sont? Mon fils est rentré. Voici mon fils. Mon fils chéri est rentré. C'est fini. Vous êtes mort. Pourquoi est-ce que tu fermes ce portail? Papa? Où sont-elles? Emmenez cette fille qu'on appelle Ada hors de cette maison maintenant. Rentre à la maison. Mon fils est rentré, je vous l'avais dit. Il est rentré. Papa, si tu sais qui est bien, fuis cette chienne. Qui casse même les oreilles, des gens comme ça. Animal, pourquoi tu aboies comme un chien? Tu crois que j'ai peur de toi? Tu vas faire quoi? Tu veux casser ma maison maintenant? Viens ici, sorcière. Papa, si tu sais ce qui est bien, dis à cette putain de sauvage de sortir maintenant et qu'elle me dise pourquoi elle a eu le courage de frapper la reine de mon cœur. Oui, et ma sœur. Elle a eu le culot, le toupet de frapper ma mère. Non. Alors comme ça, tout ce bruit, c'est pour venir casser ma maison, c'est ça? Quelle maison? Tu me demandes. Idiot. Tu vas faire quoi? Mary. Oh, Mary. Mary de quoi? Rentre avec tes enfants à la maison. Rentrer avec qui? Tu n'étais pas là quand ta femme... Ifeti était stupide de son pont. M'ont jeté au sol. Elles l'ont jeté au sol. Ihuna. Ihuna, combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Non, je ne suis pas ici pour compter le nombre de fois où tu m'appelles. Je suis ici pour que tu dises à ta sauvage de sortir de cette maison, pour que je lui coupe juste un doigt. Seulement un doigt. Juste un doigt. Seulement un doigt. Ihuna, écoute-moi bien. Tu n'es pas du tout le seul homme de ce village. Dis-lui. J'attends de toi que tu raisonnes comme un homme et non pas de faire tout ce vacarme. Et prends ta mère et tes sœurs et repartez à la maison. Je te dis que ta stupide fille a frappé ma mère et c'est là tout ce que tu me dis. Ok, pas de problème. Compte à toi, tu verras. Essaie, espèce de faiblard. Je vais te tuer. Essaie. Rentrez dans notre maison. Terminé. Mission annulée. Je répète, la mission est annulée. Vous n'allez rien nous faire. Mission annulée. Oublions-nous, la mission est annulée. Mission annulée. Regardez-les. Est-ce que tu bande de sorciers? Mission annulée. Allez, allons-y. Mission annulée. Tu n'as pas honte de toi. Mission annulée. Vous avez fait quoi? Revenez, non? Kiyuna, reviens. Mission annulée. Sa maman. Mission annulée. Vas-y, reviens. Ça veut dire sa maman. Mission annulée. Stupide idiot, tu as donc fait quoi? Tu sais seulement aboyer. N'importe quoi, espèce de faiblard. Stupide. Ognala. Te voilà enfin. Dosier, pardon. Enfin, pardon, grand frère. Dosier, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, grand frère. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, frère. On argent. Dosier, non. S'il te plaît. Attends. Allez, avance. S'il te plaît. Où sont mes deux? S'il te plaît. Dosier, attends, je te jure. S'il te plaît. Donne-les moi. Je te promets que je vais te rembourser ton argent. S'il te plaît. Je t'ai dit que je vais te rembourser ton argent. J'ai dit que je vais te rembourser ton argent. Oh, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît, Dosier. Papa. Moi, j'en ai marre. Oh. J'en ai marre. Il faut combien de taïona pour venir ici? Tcho. T'es obligé de parler? Est-ce que papa s'est plaint? Écoute, si t'as rien à dire, va à l'intérieur et dors. Hey. Papa. Tu as entendu Shizom, n'est-ce pas? Elle a recommencé, oh.
Elle a recommencé. Papa, je la laisse à cause de toi. Oh. Parle-lui d'abord. Oh. Parle-lui. Sinon, je vais la faire. Hey, papa, pardon, dégage. Papa, j'espère que tu vas faire. Ok. Pourquoi est-ce que tu parles à ta grande sœur de cette façon? Papa, dis à cette soi-disant grande sœur de se respecter, se taire. Hey. Bien. Et en passant, Chisom. Qu'est-ce que ta mère et ton frère font encore dans la maison? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de cette réunion? Yeah. Papa, si c'est comme ça, je ne suis pas censée m'asseoir ici. Je dois rentrer à la maison. C'est quoi cette réponse? Chisom, vas-tu fermer ta c'est bouche? Va à l'intérieur et appelle ta mère et ton nous soi-disant sommes frère. Là. C'est quoi ça? Nous sommes là. Nous sommes là. Ne fais pas ma mère comme ça. Les super VIP, son enfant est arrivé. Regardez-les. Vous n'êtes rien. Va t'asseoir là-bas. Ne tiens pas près de moi. Mon frère. Regardez-les. Le boss dans le cinéma. Tu parles de quel boss? Regardez-moi ça. Un garçon. Écoutez-moi. Frère Ndosier, hein? Je suis prêt pour l'école. Oh, t'es prêt? Oui. Ok, bonne journée. Frère Ndosier, tu ne m'as pas donné l'argent du goûter. De quel argent du goûter tu parles? Hein? Je t'ai dit que j'ai pas d'argent. Ou c'est parce que je t'ai laissé avec les 2000 l'autre jour? Alors, frère Ndosier, tu parles encore de ces 2000 Naira? Tu veux que je meure de faim dans cette maison, frère? Non. Est-ce que je parle avec de l'eau dans la bouche? Je te l'ai déjà dit, et je te le redis encore. J'ai pas d'argent à te donner, d'accord? Laisse-moi tranquille. Tu as compris, là? Frère Ndosier, les choses que tu dis là, je sais pourquoi tu dis ces choses. Je sais pourquoi tu dis ces choses. Oh. Je suis fatigué, frère Ndosier. Je suis fatigué. Si t'es fatigué, alors rentre à la maison et enlève cet uniforme. Je vais te montrer un business qui va pouvoir te donner de l'argent. Tu perds ton temps avec tout ça. Tu fais ton business et tu gagnes ton argent. Ndosier, écoute, je dois aller à l'école. Je dois aller à l'école. Je dois devenir un docteur. Et en quoi ça me concerne? Si tu veux être un médecin, docteur, je m'en fiche, ça me concerne pas. C'est pas mon problème. Mais Ndosier, ce n'est pas juste. Oh. Frère Ndosier, ce n'est pas juste. Je te le redis encore, c'est pas juste. David, c'est injuste. C'est comme tu peux le voir, c'est injuste. Il n'est pas trop tard. Je peux te présenter à Mojo, celui qui répare les voitures. Il va t'apprendre à réparer les voitures. Après quelque temps, tu pourras gagner ton argent. Tu auras ton argent. Et tu seras plus derrière moi pour l'argent des déjeuners et tout ça. T'es trop vieux pour être à l'école. Hein? Dossier, ce n'est pas juste. David. Tu perds ton temps, Mojo va t'accepter avec grand plaisir. Tu sauras réparer les voitures. Tu auras ton argent, comme ça tu vas plus dire que c'est injuste. Le monde où nous vivons est injuste. Idiot. Tu veux étudier, d'autres te nourrissent. Tu rêves, espèce de paresseux. N'est-ce pas, David? David, attends, c'est quoi le problème? Calme-toi, pourquoi tu pleures? C'est mon frère Ndosier. Que lui est-il arrivé? Il est souffrant? Non, tata Biona, pas du tout. Arrête-toi de pleurer, arrête. David, calme-toi. Relax, tu peux nous raconter. Nous sommes tes amis. Tes grandes amies? Oui, tes grandes amies. Nous sommes tes grandes amies. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Mon frère Ndosier ne veut pas que j'aille à l'école. Il ne veut pas que j'aille à l'école. Et pourquoi? Il veut que je fasse un business. Et moi, je veux partir à l'école. Je veux devenir un docteur en médecine. Ce matin, il a refusé de me donner l'argent pour le déjeuner. Regardez-moi, je ne suis pas parti à l'école. Il dit que j'ai trop de barbe, que je suis vieux, que je dois travailler. C'est bon. Ah, Ndosier, tu es sérieux? Il a refusé de te donner l'argent du goûter. Tu es sérieux? Ok, parfait. Calme-toi, je vais te donner ça. C'est bon. Arrête de pleurer, non? Sèche tes larmes et prends ceci. Utilise ça pour acheter quelque chose. Et garde-la, mon ami. Garde-la. Tout ça pour moi? Oui. Merci. C'est bon. Merci pour votre aide. Lève-toi. C'est bon. Lève-toi. C'est bon.
Que Dieu vous bénisse. Tu sais bien, que Dieu vous bénisse. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Chai. Cet enfant est si bien élevé. Pauvre garçon. Si gentil garçon. J'ai pitié de lui. Je me demande pourquoi il est entre les mains de ce bandit du village pour souffrir. Ce bandit du village est son frère. Pardon. Ne l'oublie pas, tu ne peux rien y changer. Pardon. Eh bien, je ne comprends pas. Donc, tu as de l'argent. J'en ai plus haut. Vraiment? C'est fini. C'est fini. Alors, tu as de l'argent, vraiment. S'il te plaît. Kem, c'est quoi ton problème? Tu veux finir le plat? Hein? Mes grandes sœurs, prends. Le repas va toujours finir, non? Je n'ai pas mangé depuis le matin. Nya, 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 nya. Tu vas t'éteindre, n'est-ce pas, à cause de toi? Laisse-moi manger. Laisse-moi manger. Chaque matin, tu t'élèves à 6 heures. Tu cours à l'école comme si tu en étais la gardienne. Hein? Laisse comme ça. Merci. J'espère que tu aimes le repas. Hein? Hein? Et bon. Mais que vois-je? Donc c'est vrai. Hein? Bien. Adogo. Donc tu veux empoisonner ma fille? La sorcière de mer t'a envoyé empoisonner mes enfants. Et tu veux commencer par cette gourmande? C'est ça. Qu'ai-je fait de mal? Je leur ai juste donné à manger. Hein? Pouvais-je rester tranquille en laissant mes sœurs mourir de faim? Tu te demandes? Uruna t'a-t-elle dit qu'elle a faim? Oh! Tu vas initier ma sœur, sorcière! Vos plans maléfiques dans cette concession ne réussiront pas. Ça ne réussira pas. Et toi, espèce d'imbécile, marche, on y va. Marche! Je t'entends parler. Laissez ma sœur tranquille, oh. Ne la mettez pas dans votre sorcellerie rituelle. On a compris. Part. Sorcière. On a compris. Sorcière. Part. Sorcière. Part. Tu t'imagines? Bande de sauvages. Laissez-la tranquille. Bande de sauvages. Ne la mettez pas dans votre sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Part. N'importe quoi, sorcière. Allez, va aller. Uruna. Uruna. D'un côté, elles ont raison. T'aurais pas dû lui donner notre repas. Tu sais qu'on n'est pas en bon terme. Tu le sais bien. Mais je n'ai rien vu de mal en donnant à manger à nos sœurs. Tu es le sauveur d'Israël, n'est-ce pas? Tu as vu ce que ça a causé? Ok, oh. Tu veux que je t'aide? Tu peux porter ça. Oui, tu peux. Merci, oh. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ok. Tu ne vas pas me tuer parce que je n'ai pas tué ma mère. Et bien avant que tu me tues, je vais te bastonner. Tu veux me tuer, hein? Maman, taffe-la très bien, comme ça elle va apprendre à contrôler sa gorge. Taffe-la. Oh, Ada, laisse-moi, Ada, laisse-moi, arrête. Laisse-moi, Obioma, laisse-moi tranquille. Arrête. Pardon, laisse-moi. Tu n'entends pas comment on tape cette pauvre fille. Je sais. Elle n'a rien fait de mal. Je sais. Laisse-la faire maman, ce qu'elle veut. Maman, tape cette fille. Comme ça, elle apprendra à contrôler sa gorge. Parce que elle a mangé ici. Alors qu'elle l'a tue. Après tout, c'est elle qui l'a accouchée. Obioma, laisse-moi. Arrête ça. Arrête. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Et je n'aurais pas dû donner à manger à cette fille. Je n'aurais pas dû. Mais tu ne peux rien faire pour elle. Hein? Tu les as entendues. Elles nous ont accusées d'avoir ensorcelé Uruna. Pardon. Laisse-les tranquilles. Si elle veut tuer sa fille, laisse-la. Ma sœur. Obioma, laisse-moi. Écoute-moi. Obioma, laisse-moi. Arrête ça. Qu'est-ce que c'est? Es-tu la seule à être sa sœur? Ok. Pardon, va à l'intérieur. Si tu veux tuer ta fille, vas-y, tue-la. Maman, cette fille, hein? Quand elle apprendra à contrôler sa gorge. La prochaine fois que ces sorcières veulent te donner un truc à manger, tu craches sur leur visage, ou mieux encore, tu jettes la nourriture. Tu la jettes. Maman, je ne vais pas t'aider à la battre. Je ne vais pas t'aider à la battre. Frappe-la. Non, c'est tu dis que c'est je la laisse. Maman, je ne te dis pas. Il fallait voir ce qui s'est passé quand tu es allée au marché. Que s'est-il passé? Maman. Maman, peux-tu croire que... Kem et Uruna sont rentrés de l'école aujourd'hui. Et j'ai décidé de leur donner à manger avec un cœur pur. Je leur ai juste donné à manger avant de comprendre ce qui se passait.
Chisom, elles ont débarqué, elles nous ont bien insultées. Et elles sont reparties. Elles ont tabassé Orena. Hein? Elles ont tapé Orena. Tapé Orena. Elles ont pilé Orena comme le foufou. Simplement parce que j'ai donné à manger à Orena. Je lui ai servi à manger. C'est tout. Ma fille, s'il te plaît, laisse-les faire. Laisse-les tranquilles. Comme Mary et Tissom pensent que tout ce qu'elles peuvent causer dans cette maison, ce sont des troubles. Hey. Laisse-les continuer avec leurs troubles. Elles vont bientôt trouver le plus gros trouble qu'elles veulent. Ne t'en fais pas. Laisse-les vivre leur style de vie comme elles veulent. S'il te plaît, laisse-les tranquilles. Hey, maman, tu as entendu? Hey, maman, mais c'était trop touchant. C'était trop touchant. Elles ont tapé encore et encore cette fille. Eh? Au point où j'ai même voulu intervenir. Heureusement qu'elles t'en ont empêché. Laisse-les tranquilles. L'un de ces quatre, mon Dieu va juger Mary. Mon Dieu va certainement juger Mary parce qu'elle a oublié comment elle est entrée dans cette maison. Elle a oublié que j'étais la première femme. C'est moi la personne qui l'a amenée dans cette maison, qui a fait d'elle l'épouse dans cette concession. C'était bien moi. Ce monde est rempli de trahisons et de mensonges. Ce n'est pas trop. C'est toi qui me fais rire. Tu vas revenir demain, non? Bien sûr. Ah. Oh, mon mari est rentré. Bienvenue. Bonsoir. Bonjour, Marie. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh. Je constate que tu es venue voir ton amie. Oui, elle me manquait. J'ai donc décidé de venir lui rendre visite. C'est gentil de ta part. Merci. Je suis content de te voir à nouveau. Merci. Je t'en prie. Je vais la raccompagner. Je reviens. Pas de problème. À bientôt. Ok. Porte-toi bien. Bye. Mon mari, comment le sacrifice de fertilité s'est-il passé? Ah. Le sacrifice de fertilité s'est bien passé. C'est une bonne nouvelle. Les dieux sont toujours fidèles envers moi. Mes champs produiront toujours plus qu'assez. C'est une bonne nouvelle. Les dieux sont sages. Je suis heureuse. Oui, c'est vrai, mais il y a un problème. Un problème? Quel problème? Ikoko m'a dit une chose très difficile aujourd'hui. Parle-moi, mon amour. Je suis toute oui. Tu te soucies de ce qu'on va récolter à la fin de la saison. Mais ensuite, qui va en hériter? Je ne comprends pas. C'était les paroles dans le sanctuaire aujourd'hui. Il m'a davantage expliqué que tu ne pourras me donner un enfant mâle. Pourquoi dit-il une chose pareille? Et comment est-ce possible? On est encore jeune. On peut toujours avoir d'autres enfants. Au moins, on a Adog et Obioma. Ça ne veut pas dire que mon utérus est bloqué. Tiens, Ifeti, ma femme. Les dieux voient au-delà des yeux physiques. S'ils disent que tu ne pourras pas me donner un enfant mâle, alors... C'est un très gros problème. Ifeche, tu dois te réciser. Tu dois le faire. Oh, mon ami, ce n'est pas la fin du monde. Tu dois arrêter de pleurer. S'il te plaît. Mary, tu ne peux pas comprendre. Ken est le seul garçon de sa famille. Si je ne lui donne pas un enfant mâle, qui portera son nom après lui? Dis-moi. Ifeche, tu ne dois pas baisser les bras aussi facilement. Qui sait? Les dieux répondront à tes prières. Quand? En te donnant un petit garçon, tu ne dois pas baisser les bras. Quand feront-ils cela? À bientôt. Quand? Je suis fichue. Gardez espoir. Que fais-tu, mon ami? Tu ne dois pas abandonner. Arrête de pleurer. Les dieux te donneront un petit garçon. Calme-toi.
Ça va aller. Arrête juste de pleurer. Arrête de pleurer. Tout ira bien. Tout ira bien. Tu as dit avoir un truc très important à discuter avec moi. Oui, mon mari. De quoi s'agit-il? C'est au sujet du message du Ougougou. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es perturbée. Et je ne prétendrai pas ne pas voir ça. Je sais que tu veux un fils. Pas juste pour hériter de ta propriété, mais un fils qui va porter ton nom après ton départ. Pourquoi nous parlons de ça, Ifeti? Je t'ai dit que je vais gérer ça. Je sais que tu as besoin d'une autre femme. Que veux-tu dire? J'ai entendu ta discussion avec ta famille. Ils te demandent de prendre une autre épouse qui te donnera un fils. Tu me surprends. Je vais te faciliter la tâche. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais à une condition. Que tu te maries avec mon amie. Laquelle de tes amies, hein? Mary. Quelle Mary? J'espère que tu ne parles pas de ta meilleure amie. Elle me comprend. Et elle fera une bonne épouse. Crois-moi. Jamais, Ifeti. Épouser ta meilleure amie, c'est une décision très difficile à prendre pour moi. Mon amour, mon mari, s'il te plaît, écoute ta femme. Mary vient d'une famille où ils ont plein d'enfants mâles. Épouse-la. S'il te plaît, écoute ta femme. Biko. Ifeti. S'il te plaît. Je peux faire tout pour te rendre heureuse. Mais je dois encore bien réfléchir. Pas de souci, merci. Ifeti, tu as fait quoi? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Ne sois pas offensée. S'il te plaît. Ifeti, donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas me mettre en colère. Tu as demandé à ton mari de demander ma main en mariage. Pourquoi tu fais une telle chose? Tu es la seule à qui je peux faire confiance. Ne comprends-tu pas? Ifeti, je n'épouserai pas ton mari. Je ne le ferai pas. Que diront les gens à propos? Quoi? Les gens n'ont qu'à parler. Ils vont toujours parler. S'il te plaît, sauve mon mariage. Pitié, je t'en supplie. Ça sera très difficile. Ceci sera très, très difficile. Si tu veux, je me mets à genoux. Sauve mon mariage. Biko. Je ne te promets rien. N'oublie pas que tu es mon ami. Merci. Je n'ai pas accepté. Alors pourquoi me remercies-tu? Effectivement, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. J'ai besoin de temps pour y penser. Ok. Prends tout le temps que tu veux pour réfléchir à cela. Ce n'est pas drôle. Je vais te chercher un truc à manger. Hey! Tineke, mais... Tineke! Donc, les gens peuvent être aussi imprévisibles? C'est pas croyable. Donc, c'est comme ça. J'ai entendu que cette femme est entrée dans cette famille. En plus, elle ose bomber le torse. Comme si elle est venue dans ce mariage avant toi. Tout ceci arrive parce que je n'ai pas d'enfant mâle. Mais je suis fière de mes filles. Je suis fière de mes filles. Si elle pense que le fait d'avoir Iuna comme fils lui donne le droit de causer des troubles, j'ai mes filles. J'ai l'espoir en mes filles aussi. Exactement, maman. Mais où est ce gars, non? J'espère qu'il ne s'amuse pas avec moi parce que je ne lui pardonnerai pas. Un idiot.
me fait poireauter. Mon petit cœur. Laisse-moi. Mon petit cœur. Laisse-moi, laisse-moi. Pourquoi cet accueil glacial? C'est quel genre de question, ça? Hein? Comment tu peux poser ce genre de question? Tu me laisses poireauter si je t'attends du pied, tu me poses ce genre de question. Je suis désolé, c'est pour ça que tu es fâché. Écoute, je vais te dire, chaque fois que tu es fâché, tu es très belle. Arrête de te fâcher, hein? Aïe, ma jolie danseuse. Désolé, je viens de m'excuser. Hein? Ferme ta bouche. Tu ne sais même pas comment flatter une femme. Tu sais seulement monter sur moi et faire ta chose. Tu es censé connaître que je suis comme ça. Tu veux changer les vieilles habitudes, hein? Écoute, désolé, quand je venais, je courais pour vite arriver. Regarde, tu n'es même pas mis la ceinture, hein? Calme-toi, ma puce. Tu sais que tu es ma... Dis encore que t'es désolée. Mais c'est quoi cette tortue aujourd'hui? C'est comment? Bon, je suis désolée. Dis-le avec un visage souriant. Aïe! Tout ça à cause de la jachère. Mais je suis désolée, non? Souris. Désolée, non. Hey! Les caprices. Oui, patronne, ma tigresse, tu sais que ça m'excite, Chloé, hein, quand tu grondes comme ça. Viens là, bébé. Oh, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est l'argent que tu m'as promis? Hey! Donc, l'argent est la raison pour laquelle tu m'évites comme si j'avais attrapé le coronavirus. Hein? Tu m'as promis l'argent, non? Donc, si je te donne l'argent maintenant, tu vas m'ouvrir la porte? Ce sera grand ouvert. Oh, mon... La porte sera ouverte. Oui. Tu aimes trop l'argent. Je te connais, non? Mais bon, tu es trop belle. C'est parce que tu es trop belle. C'est pour ça que tu es ici. Donne-moi l'argent. Je vais te donner. Je vais te tuer avec l'argent. Bon, ça. Je vais te donner encore plus. J'espère que... Promise. Qu'est-ce que... Tu me donnes seulement 2000 naira? 2000 pour acheter quelque chose, non? Hein? 2000 t'achètes plein de trucs. Hein? Écoute, prends d'abord ça. La vie est dure. Attends, c'est très dur. Tu viens juste de dire que la vie est dure? Oui, la vie est dure. Mais je fais des efforts. Je sais que je t'ai promis 5 000 naira. Mais je vais te compléter ça après. Écoute. Il n'y a pas de problème. Hein? Tant que tu n'as pas complété cet argent, je ne viendrai pas chez toi. Aïe, tu ne peux pas dire ça. Moi que la jachère veut déjà. Promise, tu... écoute. J'ai fermé partout. Hey. Il n'y a pas d'entrée. Non, ne me touche pas. Non, tu ne vas pas entrer ici. Hey. Tu n'entreras pas. Non, ne dis pas ça. Tu n'entreras pas. Hey, où vas-tu? Tu n'entreras pas. Hey. Tu n'es qu'aimé. Je suis foutu. Hey. Hey, oh. Alors que mon truc était déjà debout. Non. Hey. Hey. Comment je vais faire pour péter cet argent? Bon, je crois avoir une idée. Il faut que cette bouffe me libère. Hé, attends. Oh, mon frère, pas de neuf. Il changera jamais. Frérot. T'es sorti de là, on dirait un bandit qu'on poursuivait. Tout va bien, j'espère. Ah, ça va? Tu sais, quand je vous dis à tous que je vais réussir dans ce village, vous ne me croyez pas souvent. Mais oui, écoute, tu vois les prochains Jeux Olympiques. Je me prépare pour le saut en hauteur. Et c'est pour ça que partout où je marche en haut, dès que je vois une clôture, je dois sauter. C'est pour ça que j'ai sauté sur celle-ci. Ah bon? Mais oui. Bon, à plus. Reviens ici, mon pote, reviens. Tu crois que je te crois? Regarde-toi. Tu crois que tu peux me mentir? Tu penses que je t'ai pas vu? Écoute, mec, on fait tous les deux les mêmes choses. On est des amis, on sait ce qu'on fait. Ok, écoute ça. Pourquoi tu sautes de cette clôture? C'est soit tu faisais quelque chose là-dedans, soit tu vas voir quelqu'un. Tu vois? Donc, je vais aller vérifier moi-même. Comment peux-tu me laisser et dire que tu vas voir? Ok, c'est quoi la chose là? La chose que tu crois que j'ai laissée ou la chose que tu crois que je vais voir? Dis-moi alors, prophète. Tu me prends pour qui? Tu crois que je ne sais rien sur toi et tes hommes? Tu crois que je l'ignore? Laisse la voix, non. Mon pote, tu es terrible. Pourquoi tu m'as d'abord menti? Calme-toi, non.
Hein, que je me calme. Pourquoi tu cries? Ne crie pas. C'est juste nous deux qui discutons. Personne ne doit nous entendre. Écoute, mec, c'est mieux que les gens m'entendent. C'est mieux parce que si Una entend ça, t'es mort. Il va te tuer, il va te couper la tête. Tu sais ça, non? Écoute, écoute, si les gens entendent ça, automatiquement, une nana va la prendre. Baisse un peu le volume, non? C'est ce que je dis, c'est encore mieux pour toi. Sérieux, mon pote, fais attention. Tu allais d'abord où? Tu ne peux pas te reposer chez toi. Hein? Tu allais d'abord où? Tu es obligé de passer par ici. Hein? Attends, attends, j'ai une question. Es-tu sûr que tu aimes vraiment cette fille? Ou alors t'es juste Google, tu surfes, tu fais des recherches? Non, c'est ça que tu appelles une question. Non, c'est ça ta question. Non, 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 dis-moi. La question devait être si elle m'aime comme moi je l'aime ou si elle utilise le petit argent que j'ai pour renflouer ses poches. Est-ce que là tu me comprends? Je lui donne même de l'argent. Parfois, pas toujours. Attends, je vais te dire. Ça veut dire que vous deux, vous vous comprenez parfaitement. Mais tu dois faire très attention. Parce que si on apprend ça... Iuna, Iuna, Iuna. Il va me faire quoi? Il va te tuer, ce calme-toi. Mec. Iuna, c'est qui, non? Iuna, c'est qui? Écoute, si Iuna vient me voir, je vais le tuer. Ok, je vais lui dire. Mec, attends, non. Tu n'as même pas écouté ce que je dis. Je disais que si Iuna vient me voir, je vais le borcer. Il va devenir rouge. Tu es terrible, oh. Qu'est-ce qu'il ne... Ah, que j'ai peur d'Iuna. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur d'Iuna. D'accord, je m'en vais. Mais écoute, tu as entendu ce que j'ai dit. Mon gars, je t'ai compris. Non, tu parles comme si tu n'avais pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu as dit que tu vas borcer Iuna. Écoute, tu ne m'as pas compris. Écoute bien, avant de lui dire ce que je n'ai pas dit. Attends. J'ai dit que quand Iuna et moi, on va se voir, se saluer. Tu sais qu'il est clair jaune. Peut-être que ça sera sous le soleil. Il sera rouge. Maintenant, tu comprends? Est-ce que je peux taper Iuna? Promise. Voilà. Si tu veux pas que je le dise à Iuna, tu m'amènes quelque part et tu m'achètes une bière. Bon. Donc, c'est comme ça. Tu me fais du chantage maintenant. Non. Non, tu me fais du chantage à moi, promise. Ok, si c'est comme ça que tu vois les choses. Attends, viens. Comment tu réagis comme une femme? Moins de choses tu laisses. On abandonne pas allons-y facilement. Alors. Allons-y. Ok, écoute. Allons au bas, je t'achète une bière. Là, tu parles bien. Avec ce soleil, c'est important. Tu disais que tu ne bois plus la bière, non? Oh, grande sœur, je suis fatiguée. Je veux me reposer. Ne t'en fais pas, on va bientôt finir. Allez, Nkem, vas-y, finis ton travail. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Espèce de paresseuse. Quand on va rentrer, tu vas manger pour 5 personnes. Maintenant, travailler. Non, tu es fatiguée. Paresseuse, regarde-la. Tu ne fais que grossir chaque jour. Il faut travailler pour manger, ok? Ok, 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 ok. Waouh. Maintenant, dans un langage simple, pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites exactement dans mon champ? Ne voyez-vous pas que c'est une zone militaire? Êtes-vous aveugle? Vous n'entendez pas? Êtes-vous sourde? Hé, Iuna, ne vois-tu pas qu'on est occupé à travailler? Hein? Tu ne connais pas le respect? Hein? Ne savez-vous donc pas que je suis le fils aîné de cette famille? Maintenant, je veux que vous dégagiez tout avant que je compte jusqu'à 5. Hein? Comme tu es le seul fils, on doit mourir. On doit mourir. Et... Imaginez. Deux. Que veut-il Qu'est-ce qu'il faut? Deux et demi. Iuna. Deux et demi. Pourquoi tu promets-tu? Trois. On veut nous aider. Trois et demi. Iuna, tu ne peux rien nous faire. Quatre. Quatre et demi. Rien du tout. Tu ne peux rien nous faire. Ton nom vide. Tu fais la bruit inutile. Albinos. Cinq. Il me fait rire. Ok. Puisque vous avez refusé de vous exécuter dans la paix. Il est donc temps pour moi de le faire à ma façon. Tu vas faire quoi? Le compte à rebours. Que vas-tu faire? 5, 4, 3. T'es vraiment lâche, que vas-tu faire? Maman, pousse-la. Maman. Arrêtez ça. Bien, 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 bien. Iuna, comme ça, tu as eu le culot
de lever la main sur ma fille. Hein? Je ne les ai pas touchés. Je les ai tapés. Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, je te dis ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dis? Je les ai frappés, ce n'est pas touché. Il faut bien relater les faits. Tu as c'est bien mieux, dit, Nico. Tes filles, es-tu indirectement en train de dire que mon fils Iyuna n'est pas ton fils? Mary, ferme ta gueule. Si tu ne prononces pas mon nom, alors ferme ta bouche. Ne prononce pas mon nom, sinon le tonnerre va te frapper. Et le tonnerre qui va te frapper fait encore les pompes dans la forêt de Sambisa. Cannibale, tu viens de me mordre? Gnag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 n
Tous ces biens, ces sorcières jaunes sans rien me donner. Je vous le jure, peut-être que vous pensez que je blague. Mais non, ça n'a aucun sens. Mais raisonnant. Raisonner. Mais écoute, écoute. Mais en même temps, si tu dis que ton père était un mogo, toi, tu es le fils d'un mogo. Bah, je vais te... Hey, ça va, tu veux que je te brûle? Qu'est-ce que tu racontes? La cigarette, je blague seulement. Mais écoute, Iuna, on te dit la vérité en tant qu'ami. Tu gères cette affaire de la mauvaise façon. Tu déranges. Comment ça? Tu déranges aussi. Écoute, je vais te donner la sagesse. Tu vas apprendre. Iuna, si tu es un homme, appelle ton père seul à seul et asseyez-vous. Fais-le asseoir et regarde-le dans les yeux et dis-lui que, papa, je veux aussi ma part de tes biens. Mec, ce gars va réfléchir, il va comprendre que tu es un homme. Il comprendra que tu n'es plus un gamin. Pas tu ne vois pas. Idée. Donc pour toi, il faudrait que je le fasse asseoir. Ouais. Poser, genre en tissu. Justement, c'est ce qu'il faut. Ouais. Compris. Au revoir. Notre pote ne sait pas qu'il est un fils de Mogou. Le fils de Mogou. Frère Ndosier, ce que tu as fait là n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je te le dis. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Ndosier, comment peux-tu t'associer à tonton Iuna pour frapper ses propres sœurs? Hein? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. David, ne me dis pas que tu as rejoint le camp des villageois dans les ragots. Qui t'a dit que je me suis associé à Iuna pour taper sur ses sœurs? Grand frère, ne le nie pas. Ne le nie pas, ça se dit partout dans le village. Et les gens disent même que c'est toi qui le pousse à combattre ses propres sœurs. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quoi ces conneries que tu racontes? Mon frère, ne crie pas. Ne crie pas, oh. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi je te le dis. Les gens disent que tu pousses Iuna à attaquer sa famille. Laisse sa famille en paix. Hein? Tu dois être un fou, allié. Ce ne sont que des bêtises que tu racontes. Des conneries. Des grosses conneries. Ouais. Frère Ndosier, je t'ai averti, oh. J'espère que je ne me suis pas mis dans les problèmes. J'ai bien fait de lui dire la vérité, hein? Hein? Tu ne peux pas laisser Iuna avec sa famille au lieu d'être associé à lui pour détruire ses sœurs. Hé! Hey! Ce n'est pas possible! Qui êtes-vous pour venir cogner ma salle avec votre voiture? Qui êtes-vous? Vous êtes fou? Vous voulez me tuer? Ce n'est pas possible! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis vraiment désolé, les filles. Je suis vraiment navré. Je ne voulais pas vous cogner, les filles. Vraiment, désolé, les filles. Des grâces, gardez vos excuses, pardon. Je suis vraiment navré, s'il vous plaît. Mon nom est Marshall. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas lui faire de mal, je suis désolé. N'importe quoi. Donc, quand votre nom c'est Marshall, et que vous portez des bottes de ville, et vous avez une grosse voiture, c'est pour ça que vous voulez nous tuer, ma sœur et moi, c'est ça? Je l'ai dit, ce n'était pas intentionnel. Vous n'avez pas de conscience. Je suis désolé, s'il vous plaît, ce n'était pas intentionnel, je suis vraiment désolé. C'est bon. On a compris, il n'y a pas de problème. On va bien, ok? Allons-y. Pardon, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous déranger, mais je cherche une destination en particulier, s'il vous plaît. Oh gars, vous ne comprenez pas le hibou, ni le français. Tu ne comprends rien. Comme je l'ai déjà dit, on va voir une amie qui est gravement malade. Ça compris? Viens. Attendez, s'il vous plaît. Je conduis depuis un moment, je n'arrive pas à retrouver mon chemin. Est-ce possible que vous puissiez m'aider, s'il vous plaît, les filles? Qui cherchez-vous exactement? Merci beaucoup. Mazi Odoua est le fils appelé Ndosier. Ah oui. Pourquoi le cherchez-vous? Mazi Odoua était mon oncle, Ndosier mon cousin. Écoutez, c'est ma famille, donc si vous pouvez m'aider, par pitié. Aidez-moi de grâce, s'il vous plaît, aidez-moi. Obi. Hein? Obi Oma. Hein? Combien de fois t'ai-je appelé? Deux. Laissons cet homme. Oga, on ne peut pas vous aider. Laisse-le chercher ces gens tout seul. Aidons-le. Allons-y. Hein? Aidons-le. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Hein? Aidons-le. Allez. Oui. Mère Teresa, tu aimes trop aider les gens. Et si c'était un bandit? Regarde-le. Pas du comment tout. Être sûr? Aidons-le, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, il a l'air gentil. Es-tu sûr? Oui. Ce sera ton problème. Je t'aurais prévenu. Mais arrête. Il n'y a rien, aidons-le, s'il te plaît. D'accord. Marshall, allons-y. Marshall, regarde ses habits.
Regarde ses habits. Ok. Désolé, les filles. Pardon, je ne connais pas vos noms. Mon nom est Obioma. Et ta jolie sœur, c'est quoi son nom? Son nom, c'est Adugo. Oh, Adugo. C'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Elle a l'air très jeune et plutôt belle. Ada, Ada, laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Ada, Ada. Il est mignon. Pardon, sommes-nous déjà arrivés? Nous y sommes presque. Continue tout droit. Oui. Que je continue tout droit? Oui. Calme-toi. Ada, Ada. Marshall, on doit s'arrêter ici. On doit vite aller voir une amie qui est gravement malade. Oui, mais vas-y par là, à ta gauche. Tu verras la maison de Ndozi à ta gauche. Oui, oui, par là. Ah, oui, c'est ça. Autre chose, s'il te plaît. Pardon. Marshall, laisse tomber. Ma sœur t'a montré où tu dois aller. Que veux-tu d'autre? Laisse-nous partir, non? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu te calmer, s'il te plaît? Mais c'est quoi cette rage? Non, non, elle n'est pas comme ça. Est-il évident que je suis inoffensif? Pourquoi tu m'agresses autant? Mais s'il te plaît, calme-toi. Non, c'est bon, c'est rien. Désolé, je voulais juste être sûr. T'as dit que j'aille par là? Derrière cette maison. Oui. C'est la maison de Mazio. Oui, c'est ça, tu ne peux pas te perdre. Merci beaucoup. Pas de quoi. Allons. Laisse-moi tranquille. Tenez, prenez ça pour le dérangement, s'il vous plaît. Oga, garde ton argent pour toi. Garde ton argent pour toi, on n'en a pas besoin. Merci. On n'a pas besoin de ton argent. Merci, merci on beaucoup. On en a besoin. On en a merci besoin, merci. Que fais-tu, Obioma? Merci. Tu as pris cet argent? Oui. Tu as pris l'argent de ce type? Par là, t'as dit. Oui, d'accord. Merci. Bye-bye. Conduis prudemment. Laisse-moi tranquille. Vas-y, pars. Bye bye. N'importe quoi. Bye. Mais c'est qu'est-ce quoi que ton problème, problème qu'est-ce aussi? Qui ne va pas chez toi? Je t'ai dit que ce gars est bon et riche. Et si c'est un bandit, tu ne le connais même pas. Au lieu d'être gentil, tu fais n'importe et quoi. Et quoi encore? Qu'est-ce que ton problème laisse aussi? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, allons-y avant que tu m'énerves. Ok, pas de problème. Il croit qu'il est têtu. Oui. Non, papa croit qu'il est têtu. Je vais lui montrer que mon cerveau est très dynamique. Il va voir. Il le sait même pas. C'est ça, il va voir. Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours pour partager ses cinq biens. Cinq jours. Montre-leur. Ou alors ce sera la guerre dans cette concession. Montre-leur que tu es un lion. Cinq tu jours. Tu es mon roi lion. Le roi de cette famille. Odogu Mwoke. Cinq jours. Cinq jours. Un, deux, trois, quatre, cinq jours. Regardez. Cinq jours. Cinq jours. Regardez. Regardez. Il y aura la guerre. Cinq jours. Regardez. Regardez. Maman, tu ne fais que dire cinq jours. Est-ce que tu n'as pas vu tout l'argent que ces filles avaient en main? De quel argent tu parles? Je n'ai pas vu. Vraiment? Cinq jours. Cinq jours. Cinq jours. Cinq il jours. Il y aura la guerre. Maman, viens. Mesurons, mesurons la longueur de la maison. Tiens, l'autre bord. Oui, comme ça. Comme ça, quand je mettrai la bombe là-bas, et une autre de l'autre côté, cinq jours pour l'impact. La bombe va nous toucher. Non, on la pose, puis on s'enfuit. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Ce qu'il veut faire, qu'il sache que ça ne marchera pas. Il ne fera rien du tout. C'est pas possible. Hey, maman, papa, hey. Papa, qu'est-ce qu'on entend? Qui a lâché le chien? Hein? Maman, tu sais qui on vient de voir? On a vu Iyuna qui marchait.
Vuk, comme un chien fou, comme s'il possédait tout le village. Tu t'imagines? Iruna menace votre père, qui lui donne juste 5 jours pour partager tous ses biens et lui donner sa part. Il est malade. Je vous le dis. Hey! Comment est-ce même possible? Et qu'est-ce qu'il s'imagine? Cet Iruna est un gars très stupide. C'est clair qu'il est. Iruna est vraiment stupide. Ah, sérieux, comment peut-il croire que papa partagera ses biens alors qu'il est encore en vie? Question. Papa est encore bien portant. Ah, donc, il est normal. Les filles, s'il vous plaît, écoutez. Calmez-vous, je vous en prie. Calmez-vous. Ne vous dérangez pas, surtout pour Iruna avec ses menaces. Ne vous dérangez pas. La première des choses pour l'instant, c'est que votre père a faim. Donc, s'il vous plaît, allez lui préparer quelque chose de délicieux à manger. Et en ce qui concerne Iruna et ses menaces en l'air, j'attends que les 5 jours s'écoulent. Bien. Ainsi, on saura bien qui est le chef de cette famille. Bam. On doit savoir qui est le chef de cette famille. Bah. Ah, ah. On verra. Naï, ne laisse pas cette situation te perturber, hein? Mary et son fils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien faire. Calme-toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre d'Iruna et de sa mère dans cette maison? C'est pas vrai? C'est terrible. Iruna qui est née hier, dans cette maison. Menace les gens. Ça n'arrivera pas. Avant que je ne l'oublie, Adanna. Maman. Va à l'intérieur et réchauffe le repas que j'ai cuisiné. Va à la cuisine avec elle et prépare-moi ce repas. Prépare ce repas, frais. Je veux un repas frais, pas réchauffé. Tu le veux comment? Frais. Ok, donc tu choisis la nourriture. Papa, allez, juste ça. Allez, laisse-toi avec tes filles, allez, cuisine. Maman, pardon. Oh, Dieu, viens avec l'eau. J'arrive. Papa. Papa. Tonton. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Oh mon Dieu. Il est où, Ndosier? Grand frère n'est pas à côté, mais il va bientôt rentrer. Mais regarde-toi. Oui. Attends, mais qu'est-il arrivé à tes cheveux? Je les ai laissés pousser parce qu'il n'y a pas d'argent pour me coiffer, tu vois. Bienvenue. Ravi de te voir. Tu as une très bonne nuit. Tonton Marshall, comment va tout le monde en ville? Ils vont tous bien. Allez, prendre les provisions dans la voiture. Ok. Tonton Marshall, c'est ta voiture? Non, c'est la tienne. Tu sais que je suis. Laisse-moi tranquille. Quoi encore, non? Comment tu peux me demander ça? Où est le reste des 5000 naira que tu m'as promis l'autre jour? Où est ça? Hey, parfois j'oublie ton état d'origine. Hein? Parfois j'oublie cela. Parce que chaque fois qu'il s'agit d'affaires d'argent, tu me rappelles toujours que tu es une fille d'Anambra. Ouais, tu aimes clos l'argent. Oui, j'aime l'argent. J'ai le reste ici, mais avant, faisons un coup rapide, très rapide. Non! Pas de coups rapides, je ne suis pas d'accord avec toi. Donne-moi l'argent ou il n'y a rien pour toi. Écoute, les coups rapides sont très bien. Ça me laisse à 37, je vais être détendu pour le faire. Tu sais, quand tu as peur et quelqu'un arrive pendant le coup rapide... Et... J'ai dit que je ne veux pas. Je vais te donner. Donne, bébé, donne-moi l'argent, donne. Tu chantes pour moi? Ouais, si tu ne me donnes pas l'argent, bébé, je ne te donne pas ce que tu veux. Je ne te donne pas ce que tu veux. Je vais t'écriter où? Moi? Je vais t'écriter où? Moi? Tu me provoques, hein? Tu me connais où? Tu moi, me tentes où? T'inquiète, je suis prête pour toi. Voilà ça que je te donne. Je ne veux pas entendre que tu es fatigué. J'ai dit que je suis prête pour je toi. Je ne veux pas entendre que ton corps fait mal. Même si tu dis que tu as mal, je ne vais pas m'arrêter. Donne-moi. Prends. Maintenant que tu m'as donné tes morts. Écoute, si je ne cultive pas ton jardin, 2 choses vont arriver. Quoi? Soit tu me tues, soit tu m'enterres. Regarde sa tête, tu aimes trop faire. Donne-moi alors. Laisse-moi. Viens, viens cultiver. Calme-toi, sinon on ne sait plus rien. D'accord. Reste calme. Reste calme. Allons-y. Dis-lui de rester calme. Non, ne laisse pas être debout. Allons-y vite. Suis-moi. Avant que quelqu'un ne finisse. C'est maintenant que tu parles allons-y. Bien. Allons-y. Dépêche-toi. Ah.
Vous dites qu'un homme vous a donné cet argent en cadeau? Maman, oui, juste comme ça. Il nous l'a donné. Qui est ce jeune homme? Maman, demande-lui. Demande-lui, demande à ta fille. Et c'est elle qui a pris l'argent. Malgré tous mes avertissements, elle a pris l'argent. Demande-lui, elle connaît. Calme-toi, ah, Obioma. Petite idiote. Obioma, maman, qui t'a donné cet argent, tu as dit? C'est ça le problème. Je ne le connais pas. On ne le connaît pas. Mais il a dit qu'il est ici pour voir le défunt fils de Maziudo. Dozi, oui. Le fils de Maziudo? Oui. Ça doit être un homme bien. C'est une bonne personne. Oui, c'est vrai, maman. Voici la preuve de sa gentillesse. Hein? Elle est... Oui. Obioma. Maman. Mais tu dois faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Oh, oh! Maman, oh, oh! Tu as entendu, maman? Tout ce qui brille n'est pas or. Obioma. C'est bon, Adougo. J'ai compris. Maman, tu dois parler à cette fille. J'ai compris. Parle à ta fille. Adougo, s'il te plaît. Regardez l'eau que j'ai posée au feu, si elle boue. Allez, maman, m'a averti là-haut. Allez, vas-y. Tu m'avertis, moi ou elle? Elle, c'est elle. Dis-lui. Comme ça, maman, je t'ai dit, parle à ta fille. Pas d'argent. En passant, où est Nkem? Nkem, tu connais ta fille. Elle est toujours avec papa. Eh bien, je m'en vais rejoindre ta sœur à la cuisine. Maman, tu pars avec l'argent? Ne viens-tu pas arracher? C'est pour ça que t'as pris l'argent? Maman, c'est mon argent! C'est mon argent! Je te montrais juste! Hé! Hey, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Tu es clos sur le Arrête! 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 Arrête ça! Quelqu'un peut passer ici pour nous voir! J'ai l'air de m'en soucier! Moi, je m'en soucie! Et écoute, tu sais que je ne suis pas rassasié de toi. Même comme tu sors là. Junior, il bouge encore la tête. Hein? Ah, t'en as pas assez de fer? Non, assez. Le mois, ce n'est pas entre nous. Écoute, ok, on négocie. Tu me donnes juste un peu. Je ne vais pas mettre tout, juste la tête. Promise. Oui. Je dois partir maintenant. Je dois y aller. Non. Comment tu peux partir? Donne-moi juste un peu. Ok. Ok, attends. J'essaye de calmer Junior, mais il ne veut pas. Essaye! Je dois partir. Ok. Oui, j'ai à voir. Bisous. Un bisou? S'il te plaît. Tu ne sais pas tout ce que tu fais quand ton corps touche mon corps. Mon corps est... Laisse-moi tranquille. Attends, non. Hey, qu'est-ce qu'elle me fait comme ça? Hey, cette fille est trop sucrée. Aïe. Hey, aïe. Honnêtement, le calme de ce village m'a manqué. Les choses sont restées pareilles. Là, tu as bien raison. Comme tu peux le voir, tout reste... Ouais, ces fleurs, elles sont encore là. Je t'assure. Je suis content que tu sois rentré. T'as sûrement tout oublié ici. Je vais te faire visiter. Le vin de palme... Honnêtement, le vin de palme... Je me souviens à quel point tu aimais ça. Je sais que ça te manque. Bien sûr que le vin de palme a manqué, mec. Tu te souviens de cet arbre-là? Ça, c'est une orangée. On grimpait souvent dessus dans l'enfance. J'aimerais encore y grimper. Honnêtement, cela m'a vraiment manqué. Au revoir, mon frère. Ça fait du bien d'être rentré. Ouais. Ah, le calme est toujours pareil. Partout ici est calme. Tu veux dire quoi? Il n'y a pas de calme à l'étranger? Je n'aime pas la ville. Il y a trop de bruit. Pam, les voitures et tout ça, tu sais. Mais quand tu es au village, tout est calme. Oh, on n'entend rien du tout. Ouais, c'est pour ça que j'aime le village. Honnêtement, je ne peux pas vivre en ville. Tu viendras vivre en ville. Moi? Tu viendras vivre en ville. Tu vas chasser tous les animaux dans la fosse. Tu viendras rendre visite et repartir. Tu vivras pour toujours dans ce village, mec. Tonton Machal, je te souviens encore de cette maison? C'est quelle maison, ça? C'est la maison de Mazi Okonkwo. Attends, t'es sérieux? Oui. Ah! C'est la maison de Mazi Okonkwo? Oui, celle-ci. Ah! Wow! Tata Adougo! Tata Adougo! Attends. Tu la connais? Oui, je la connais. Elle est très gentille. Elle me donne souvent de l'argent et de la nourriture. Ah!
Je vois. Oui. Et donc, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Oui. Attends, 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 attends. Où vas-tu? Je vais la rattraper. Pourquoi? Pour la saluer. D'accord. Eh, cette fois-ci, on va y aller ensemble et on va la saluer, tous les deux. Tu veux aussi la saluer? On va la saluer. Ok, ok, allons-y. Je t'assure, elle est si gentille. Elle est bonne. Parfois, elle me donne de l'argent pour aller à l'école. Deux fois même de la nourriture. Tata, Dogo. Hey. Hey. On se revoit. Mais je ne me souviens plus de ton nom. Marshall. Oh, Marshall. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Bien, et comment va ta sœur? Eh bien, elle va bien. Tata, Dogo, pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'accompagner au marché? Oh, David, mon petit. Ah, ah. Dois-je te déranger tout le temps? Hein? Je me disais que tu étais occupé, alors je suis allée au marché toute seule. Tu sais que tu es mon petit spécial, hein? Ton petit spécial? Donc, on doit faire un truc pour toi pour être spécial. Que puis-je faire? Ok, commençons par ce cercle. Non, non, je peux me débrouiller, honnêtement, je peux me débrouiller. Bah, je dois faire quelque chose pour toi pour être aussi spécial, hein? Ok. Par ici, okay, s'il te plaît, madame. Merci. Tonton Marshall. Merci. Donc, si tu veux, entre à l'arrière, ok? Vas-y derrière. Hein? Ok, j'y vais. Écoute, alors tu peux continuer. D'accord, je vais monter par derrière. Va étaler ses habits. Ok. Dépêche-toi. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie, ineffable, le Fils de Dieu. Abby! Hey, Foma! Ma bestie, Abby, comment tu vas? Après m'en manquer, ça fait longtemps. Ouais, t'as très belle mine. Oh, arrête-moi ça. Où est-ce que tu vas comme je ça? Je m'en vais chez une game. Hey! Qu'y a-t-il de mal à aller chez une game, non? Tout en fait, t'es mal. De quoi est-ce que tu parles? Tu vas attirer la malédiction sur toi? Non, 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 non. Avec toutes ces amies qu'on a dans ce village, Kiluka, Izuka, c'est seulement Shunkem. S'il te plaît. Pardon, pardon, pardon. Ne me dis pas que t'es pas au courant de tous les problèmes et guerres qu'il y a dans cette maison. Ils bagarrent aujourd'hui. Ils bagarrent encore le lendemain. S'il te plaît. Forma, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, 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 attends. Tu sais très bien que je n'aime pas quand on parle mal des gens sans aucune preuve. De plus, Kem n'est pas une mauvaise personne. Et le fait que sa famille se bagarre tous les jours ne signifie pas qu'elle ne doit plus être mon amie. Kem est une mauvaise personne. Kem n'est pas une mauvaise personne. Elle va te contaminer. C'est quoi ces bêtises que tu racontes? T'es mon amie et je veux juste t'aider. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à ton joli frère. Laisse-moi d'abord partir, hein? C'est ma tête et pas la tienne. Tu n'iras nulle part, t'es mon amie. Même par force. Tu n'iras nulle part. Ah non? Je te donne des conseils, écoute mes conseils. Qu'est-ce que ce sont tes affaires? Parce que t'es mon amie, ce sont mes affaires. Tu n'iras pas dans cette maison. Kem n'est pas une bonne amie. Elle n'est pas une bonne amie pour nous, alors tu n'iras nulle part. Suis-moi à la rivière. Viens, on ira à la rivière avec toi. Eh, tu n'iras pas dans cette maison, soit tu viens à la rivière, soit tu rentres chez toi. Béni soit celui qui vient. J'ai une belle bataille. Au nom du Seigneur, béni soit Dieu. Hosanna. 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 Ah ah. Orona, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es revenue avec les habits? Grande sœur, il n'y a pas de place. Je ne comprends pas. T'as déjà la même taille que moi, mais t'arrives pas à tendre la corde. Non, non.
C'est quel genre de question ça? Il n'y a pas de place sur la carte. Ok. Hosanna, ah. Hosanna, 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 arrête ce que tu fais, Hosanna, arrête tout ça, ce n'est pas bien, arrête Hosanna, ça, arrête grande sœur, Hosanna, mais arrête Hosanna, ça, ce n'est pas bien ce que tu Hosanna, fais, arrête ça, Hosanna, arrête ce que tu fais, grande sœur, arrête, ce n'est pas bien, grande sœur, arrête, grande sœur, grande sœur, Hosanna, grande sœur, Hosanna, Hosanna, elle a poussé nos aînés. Arrête ce que je suis en train de faire. Arrête tout ça. Arrête. Arrête. Sérieux, regarde. Pourquoi je mentirais? Regarde ça. Pourquoi je blaguerais avec ces genres de choses? Regarde. Hosanna. Vois pas toi-même. Pourquoi je vais mentir? Regarde ça. Regarde. Hosanna. Hosanna. Kizan, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Shizan, tu n'es pas sourde. Je répète, qu'est-ce que tu fais? Obiona, tu n'es pas aveugle. Tu ne vois pas que je suis en train d'étaler mes habits. Est-ce que tu ne vois pas? Donc, tu as froissé les nôtres. Maître, c'est saillant. Mes habits ne sont pas des haillons. Donc, tu cherches les problèmes. Mes habits ne sont pas des haillons. Tu veux jouer les à ça? Ne que sont pas des haillons. Que se passe-t-il ici? Regarde, Yoma, qu'est-ce que les gens vu, ne sont pas des haillons. Merci, merci. Les j'avais lavé les habits ce matin. Ne sont pas des regarde haillons. Comment cette courte chose. Je suis plus grande que ta mère. Froissé nos habits. Je suis plus grande que ta mère. Ces haillons. Je suis plus grande que ta mère. Que signifie ces bêtises? Je suis plus grande que ta mère. Je te pose une question. Que signifie ces bêtises? Je suis plus grande que ta mère. Tu ne réponds pas. Je suis plus grande que ta mère. Oui, 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 oui. Au sol. Hey, vous êtes... Hey, 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 hey. Ne me tentez pas. Hey, si je me fâche. Eh, wow. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors, allez, parle-moi d'elle, s'il te plaît. Qui t'entends, Marshall? Adugo. Ah, ok. D'accord. Bien. Tata Adugo est une très bonne personne avec un bon caractère, tout comme Tata Obioma. Sauf Tata Shizom, qui est très arrogante et méchante. Qui est cet Shizom? Tata Shizom est la demi-sœur de Tata Adugo et Tata Obiona. Je ne l'aime pas du tout. Donc, Adugo a une demi-sœur? Oui. Elle a aussi un demi-frère. Mais, tonton Marshall, leur famille a vraiment beaucoup de problèmes à cause de la polygamie. Donc, cette Tizoum, dis-moi, pourquoi l'as-tu? Elle est très arrogante. Sérieux, parfois elle agit comme si elle était possédée par un démon. Qu'est-ce que t'en sais? Bonjour. David, quel que soit ton stupide nom, tu ne sais pas saluer? Ah, je t'ai salué, mais tu n'as pas répondu. Oui, en effet, parce que tu n'as pas bien salué. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Oh, regarde-moi ce petit garçon, dont elles ont aussi commencé à te gâter. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, laisse-moi te clarifier les choses. La prochaine fois que tu voudras me saluer, dis Tantine bonjour. Ne dis pas Tantine Shizom bonjour. Ok, Tantine Shizom, bonjour. J'ai dit Tantine bonjour. Tantine, bonjour. C'est mieux. Dégage. Voilà pourquoi, tonton Marshall. Elle est très arrogante et elle bagarre toujours avec Tantine Adugo et ses autres sœurs.
Maintenant, je vois pourquoi tu la hais autant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Et approche. Evuna. Mais c'est quoi ça? Evuna. Mon Dieu. Evuna, ouvre le portail. Oh, ouvre ce portail. Ouvrir quel portail? Est-ce parce que je ne t'ai pas mis les menottes? Non, est-ce parce que je ne t'ai pas mis les menottes? Tu me dis d'ouvrir le portail. Oh gars, partage tes biens. Partage tes biens, que j'utilise mon argent pour faire quelque chose d'utile. Tu me dis d'ouvrir le portail. Maman, tu sais quoi? Écris leur déclaration, l'un après l'autre. Écris. Écris. Rihuna, tu me pousses à bout. Pousser quoi? Tu me pousses vraiment à bout. Est-ce que t'as poussé? Ouvre ce portail. Ne me pousse pas à proférer des malédictions sur toi. Papa, fais-le. Malédiction? Ce n'est pas possible. Non, quelle malédiction est plus frustrante que le fait que toi, tu m'aies donné la vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Non, est-ce parce que je t'ai demandé de partager les biens? Mais en vrai, quel bien partageons-nous vraiment? Est-ce cette vieille caisse qui est garée là depuis des siècles et qui n'a même plus de boîte de vitesse? Hein? Ou alors ta vieille bicyclette? Ce n'est pas comme ça, dis-le. Même si on décidait de vendre ce vieux taco. Je ne suis pas certain que ça puisse nous rapporter plus de 5000, vraiment. Mary, donc tes enfants et toi, vous m'avez enfermé chez moi? Mba. Ne mentionne pas mon nom. Ne m'appelle pas, pardon. Ma, tu veux fermer un portail? Ma, tu veux le faire? Hein? Ma, tu veux toucher le cadenas? C'est quoi ton problème? Arrange-toi avec ton fils et retrouve ta paix. Maman Yuna, regarde-toi. Regarde ce que tu y apprends à ton fils. Tu vas fermer ta gueule là-bas. Qui t'a invité dans cette affaire? Ouvrez le portail. Problème est entre le père et le fils, pas des filles comme vous. Honte à vous, oh! Honte à vous! Qui t'a invité? Mère indigne! Qui t'a invité? Honte à vous! C'est quoi? Allons-y, hein. Le soir, apporte à manger rien que pour papa. Rien que pour papa. Ova. Ova. Ouvre ce portail. Ova. Regarde. Ouvre ce portail, oh, de choses. Ouvre ce portail, Yuna. Allez-y, dégage. Attrapez. De prisonniers. Toi, vous. Prisonniers. Retourne chez vous. Dans votre cage. Chez vous. Dégagez d'ici. Retourne chez vous. Regardez-les. Mère indigne. Je vais vous donner une leçon. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Elle est normale? Auré, bienvenue. Auré, d'où est-ce que tu sors? Je suis allée récupérer mon livre, chérie. Ok, ton ami là? Oh oui. C'est bien. Le repas est prêt, hein? Il Maman, est à l'intérieur. Prends ma viande. Beaucoup de viande. Ah, Maman, Maman, qu'est-ce que j'ai fait, non? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Grande sœur, Maman, je n'ai rien fait. Tu ne sais pas. Tu crois pas que ce n'est pas moi, Maman. Tu n'as rien fait, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Qui d'autre aurait pu faire ça? Qui d'autre? Oh, Maman. Qui d'autre? Ce n'est pas moi. Si je t'attrape avec ça, tu vas devenir folle. Ce n'est pas toi, c'est qui? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est qui ça? Donc tu ne réfléchis pas. Je ne sais pas que tu es censée être dans notre camp. Tu fais le contraire, t'es normal. Pourquoi j'ai comme ça? Je n'ai rien fait. Ta bouche. Tais-toi. Ferme ta gueule. Et ne dis plus rien. Mais attends. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait signe depuis. Mais c'est quoi ça? Écoute, j'apprécie vraiment le fait que tu veuilles m'aider. Mais non, merci, je ne veux pas. Écoute, Adogo, arrête s'il te plaît. Personne n'aime le stress. Tout ce que je te demande, c'est que tu me laisses déposer à la maison. Que veux-tu vraiment de moi? Tout ce que je veux, c'est te déposer à la maison. Laisse-moi t'épargner tout ce stress. Mais j'ai dit non, je ne veux pas. J'ai des pieds et je peux marcher. Donc s'il te plaît, ne me suis pas, oh, ne me suis pas. Bah, je vais te suivre. Ne me tente pas. Bah, je vais te suivre. La voiture va rester. Je t'ai dit, arrête. Je te suivre. Ne me suis plus. Je n'aime pas ça. Bah, on va marcher. C'est quoi ça? C'est déjà forcé. Je ne veux pas. Bah, on va marcher. Je vais te suivre. Et Ouna, donc, tu arrêtes ton père. Tu arrêtes ton père. Non, mais tu vas lâcher mon pantalon. Papa, arrête ton charabia. Ça ne sert à rien. Fais juste le partage. Et puis, c'est tout. Pourquoi veux-tu qu'on perde du temps? C'est simple. Tu sais pourquoi je t'arrête.
Fais juste le portage. C'est pas dur. Yuna, Yuna, pourquoi tu es comme ça? Laisse papa tranquille. Maman Yuna parle à ton fils. Qu'est-ce que... Pardon, sème ta bouche. Faire quoi? Calme-toi, vide. Calme-toi. Ken, partage tes biens. Hein? Après tout, tu vas les partager. Partage-les et la paix régnera. Mais c'est toi, c'est quelle parcelle? Les bicyclettes, les terrains. Est-ce que tu es venu de la maison de ton père pour entrer ici avec quelque chose? Est-ce à toi de me dire quand est-ce que je dois partager tous mes biens? Et même, je peux décider de ne pas les partager. Laissez papa. Non, mais tu vas la fermer, lui. Je vais te diviser en deux. Tu ne feras rien, couteau. Allez, de me parler. Je vais te diviser en deux. Faire ça avec un couteau? Partager un couteau? Et Yuna, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu... Arrête papa comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Qui a lâché les chiens? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, ne vas-tu pas te dégager de là? Laisse-moi te dire. Tout va bien, Ada. Tu veux savoir... Papa, pourquoi tu laisses? Il t'arrête. Attends, tu veux savoir quel est le problème? Le sorcière, Ken, je te connais très bien, ne le croyez pas. Il sait faire semblant, n'est-ce pas, partage juste les biens. Papa, papa. Ah, c'est ça. Voyez, voyez ce que vous avez fait. La maladie de cet homme n'est pas ordinaire. Il y a tellement de choses qui ont causé cette maladie. Tellement. Et Coco, veux-tu dire par ce n'est pas ordinaire, hein? Pourquoi? Oui. Comment, d'après les informations qu'on a recueillies dans sa famille, son fils, Iruna, l'a poussé cet après-midi. Il est tombé. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé ici dans ce sanctuaire. C'est tôt. Et Coco, comme je vois notre frère là, est-il encore en vie ou est-ce qu'il est déjà mort? Oui, il est encore en vie. Ah. Oui, il est encore en vie. Mais on doit faire quelque chose très vite, sinon on risque de le perdre. Ah, bah, comment? On prendra pas notre frère. Comment? Je vais lui administrer quelques potions. Non. Comment il réagit. Bien, bien. Vous allez le laisser ici avec moi. Je vais le soigner. Hein? Vous pouvez partir, je vais vous rendre compte. Je vais vous rendre compte. Ok, nom. S'il te plaît, essaie, hein? Je le ferai. Doshukil, faudra faire pour sauver notre frère. S'il te plaît, fais-le. Ah, nous sommes prêts, tu comprends? Nous sommes prêts. Frère aussi. Comment je vais mettre qu'il lui arrive quelque chose? Merci. Et maintenant, Moramara. Et là, j'ai dit qu'il est en vie. En vie. Vous pouvez partir. Ok. Et convaincé. Namele à Sakao. Baleni à Klanao. Basamana mini swimminao. Awawa uno cry. Prise mon amour, c'est manao. A conversé au chocotomé. Hey, tu couso, c'est cigar. Adam, moi, cousin, la gaine. How do you be no friend? Oh, bien, could you be moi, au convention? Et manan, promise! Promise! Viens! Mec, tu m'as fait peur. J'espère que personne ne te poursuit. Viens, y a pas de problème. Viens t'asseoir. Quel est le problème? Il y a un problème. Vu que tu cries mon nom comme ça. Il y a le feu à Bagdad. Il y a un gros problème. C'est quoi le problème? Dis-moi, pardon. Promise. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Parle vite. Il s'agit d'Iuna. Il vient de tuer son père. Iuna! Je t'assure. Hé! Comment? Que s'est-il passé? J'ai appris qu'il a... Qu'il a poussé, le vieux est tombé, il est mort. Hey! Quel malheur pour lui. Iuna. Merde.
dont le vieux est mort. Il est mort sur le champ. Donc, c'est comme ça que Yuna va à la prison. Je sais pas. Hey, et les gens vont croire qu'on a planifié ça. C'est ça le problème. Parce que nous sommes toujours ensemble. C'est ça le problème. Comment Yuna a-t-il pu faire une chose pareille? C'est le problème que j'ai avec ce gars. Hein? Dis, comment as-tu appris cette histoire? Parce que je ne sais pas si cette histoire est vraie. La nouvelle est partout. Hein? Ça court de partout. Hey! Shimo! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça craint, franchement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à moi que tu demandes ça. En partant d'ici, je quitte ce village. Hey! Ouais! Tout le monde va penser qu'on l'a planifié ensemble. On est des amis, non? Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu quitter ce village comme ça. Écoute, tu veux pas partir? Ok. T'es libre de faire ce... Comment est-ce qu'on a petit mec? Attends-moi, j'arrive. Problème. Hein? Donc tu pars comme ça? Attends, j'arrive. Hey! Comment est-ce qu'on a pu faire ce genre de bêtises? Il est toujours là à bomber le torse pour chercher des problèmes qu'il ne peut pas gérer. Maintenant, j'ai fini d'abord ma lessive. J'ai fini d'abord ma lessive. Ensuite, je vais parcourir le village en douce pour voir les réactions. Moindre pim, je fuis. Moindre pim, je fuis. Marie, ton fils a commis une abomination. Une abomination? Ah oui, une abomination. Si quelque chose arrive à notre frère, je vais personnellement le dénoncer aux jeunes de ce village. Écoutez, ils vont le lapider à mort. Hé, Itzi, mon fils n'a rien fait. C'est vrai, il est innocent. Et tu l'encourages. Maintenant, écoute-moi. Tu crois qu'on est ici pour blaguer? Hein? Si quelque chose arrive à Ken, on va te montrer de quel bois notre famille se chauffe. N'importe quoi. Tu ferais mieux de prier les dieux. Marie, prie tes dieux. On t'aura averti. Naï, mon père se plaignait du paludisme hier. Je pense que c'est juste une fièvre. Il est vieux. C'est pour ça. Madouka, tu entends? T'es malade. Allons-y. C'est son âge qui est le problème. Il n'est pas mort, il est juste malade. Madouka, allons-y. Attends, vous voulez le tuer? Non. Parce que son âge est un problème. Vieux fou. Bande de débiles. Maman, c'est une affaire grave. C'est une affaire grave. C'est grave. Que dois-je faire? Dois-je me suicider? C'est de ta faute. Tu encourageais mon frère. Hein? Maintenant, tu me blâmes. Hein? C'est comme ça que tu es. Seigneur, envoie Jésus. Maman, ça va aller. Seigneur, aie pitié de mon mari. Seigneur, aie pitié de mon mari. Seigneur, envoie Jésus. Envoie Jésus. Maman, calme-toi. Calme-toi. Maman, arrête ça. Ça va aller. Seigneur, prends pitié de mon mari. Maman, il arrivera rien. Il n'arrivera rien. Maman, calme-toi. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Mon mari. Maman, arrête de pleurer maintenant. Tu te fais du mal, s'il te plaît. S'il te plaît. Calme-toi, maman. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. C'est à cause de cet idiot. C'est idiot. Ok. C'est bon. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va aller. Tu veux que je pleure avec toi? Calme-toi. Ifuma nous a dit ce qui est arrivé à ton père. Comment il va? J'espère qu'il va mieux. Bien. Mon père se porte mieux. D'après les informations qu'on a eues d'Ikuku, il nous a assuré que tout va s'arranger. Et par les dieux, on le croit. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec cette Ilona? Es-tu le seul garçon dans ce village? Aujourd'hui, Ilona ça, demain, Ilona ça. Je te l'ai déjà dit. On doit attacher ce gars à un arbre et le fouetter comme un serpent. C'est quoi ça?
c'était dans ma famille, on aurait déjà réglé son cas depuis. Glory, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu ne peux pas te taire juste un peu? Ada, il n'arrivera rien à ton père. Je crois qu'il guérira. Ne réfléchis pas trop, ok? Je le crois aussi. Okay. Je le crois aussi, je le crois. Continue à y croire. Ok. Et comment va Obioma? Ah, Obio, ah, je croyais que vous l'aviez vu en venant non, ici. On ne l'a pas vu. Ah, ah sérieux? Elle est allée chercher du bois. Ok. Pas de souci. À son retour, dis-lui qu'on est passé, ok? Ok. Ne t'en fais pas pour ton père. Hey, salut, Obioma. Bon après-midi. Bon après-midi. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venu voir ta sœur. Eh, peux-tu l'appeler pour moi, s'il te plaît? Tu es venu voir à Togo? Oui. Ok, t'es très beau. Eh, hey, merci. À Togo. Allez, viens. Quoi? Ferme ta peur les yeux. Qu'est-ce Allez, que c'est? Ferme les yeux. Obi, ne te retourne qu'est-ce pas. Qu'est-ce que c'est? Ne te retourne pas. Ok, qu'est-ce que c'est? Ok, elles sont fermées. Promis? Je ne les ouvre pas. Allez, qu'est-ce que c'est? Ouvre les yeux. Tada! Obi-Oma, ça veut dire quoi ces bêtises? C'est quoi ça? Attends d'abord. Arrête. Ah, écoute. Arrête. Ah. Ah. Honnêtement, t'es plus belle que jamais, ma chérie. Donc, tu as quitté de chez toi jusqu'ici pour me dire ces bêtises? Écoute, tu venais te dire plus que ça, ma chérie. Mais tout d'abord, puis-je t'amener quelque part? Et ne dis pas non, s'il te plaît, ma chérie. Je ne suis pas intéressée. S'il te plaît, on ne fait pas attendre un gentleman. Va, je vais te couvrir. Tu vois, ta sœur a tout dit. Allez, s'il te plaît. Oui. Tu es sûre? Je sais que tu es inquiète pour maman. Ne t'en fais pas. Je vais te couvrir. Vas-y. Merci. Marshall, prends soin de ma sœur. Prends soin de ma sœur. Ah oui, compris. Ok, merci, je vais t'acheter quelque chose. Merci. Écoute, c'est pour toi que je reste dans ce village. Que veux-tu dire? Et je veux passer plus de temps avec toi. Et je veux que tu sois toujours auprès de moi. Marshall, je vais être honnête avec toi. C'est facile d'apprécier une personne. Mais me voir tout le temps, et là je ne peux pas t'en assurer. Selon qui? Écoute, clarifions les choses. Tu résides en ville. Moi, je réside ici au village. Ça explique déjà tout. Oui, donc je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pour cette raison que je veux t'épouser. Et ainsi tu seras partout où je vais être. Tu veux m'épouser? Hey, grande sœur. Ah, mon combat. Hey, grande sœur. Hey. Hey. Hey, grande sœur. Tes habits sont vraiment très, très beaux. Hey. Hey. Pardon.
Je ne vais pas de ton cinéma cet après-midi. Ah ah. Ok, merci. 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 Hazard, ces habits ont dû coûter très cher. Ce gars est riche. Ils sont très beaux. Peut-être. Gem, peux-tu amener ces habits à l'intérieur? Ok, grande sœur. Waouh! J'arrive pas à y croire. Vraiment? J'ai un truc à te dire. Ok. Sais-tu qu'il m'a demandé de l'épouser? Il a fait quoi? Il m'a demandé de l'épouser, oh. Et qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. Je le regardais juste comme ça. Je n'ai rien dit. Que veux-tu dire par là? Obi, essaie de me comprendre, non? Tu sais ce qu'on vit dans cette maison ces derniers temps. Papa est malade et il est couché sans force dans le sentier du coucou. Et tu veux que moi, je pense au mariage? Non, 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 non. Ada, ce n'est pas possible. Ada, écoute-moi. Tu aurais dû au moins dire oui. Hein? Tu aurais dû le dire oui. Ensuite, attendre que papa se rétablisse. Écoute, ce gars est riche. Oh. Il a vraiment l'air riche. Il t'aime bien. Je ne veux pas que tu rates cette belle chose. De plus, tu as oublié. Tu es l'aînée. Tu es censée te marier avant nous toutes. Oh, tu veux que je me marie avant toi? Hein? Tu es sûre? Oui! Tu es sûre? Je suis contente pour toi. Pardon, c'est trop bien. Arrête. Ouais, c'est ça. Comme si tu n'aimes pas ça. Tu es folle. Maman, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Shizum. Maman. Shizum. Maman. Shizum, combien de fois t'ai-je appelé? Je n'ai pas compté. Tu n'as pas compté. Hier, tu as couvert ton corps entièrement, tremblante comme si tu allais mourir. Aujourd'hui encore, tu as vomi. Quel est ton problème, ma fille? Maman, c'est juste la fièvre. Oh. J'ai la fièvre. Une fièvre qui te fait pleurer, c'est ça? Tu as la fièvre. Shizum, je suis prête à parier que tu es enceinte. Oh, 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 oh. Tu fermes ta bouche. Maman, je ne suis pas... Ferme ta bouche. Ah. Maman, je t'ai entendu crier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Odogo. Maman. Regarde très bien ta sœur. Que peux-tu voir? Je vois juste qu'elle s'est faite de nouvelles tresses, c'est joli. Y a-t-il autre chose? C'est tout ce que tu peux voir. Shizum, que voici, est enceinte. Hein? Enceinte? Je ne suis pas enceinte, qu'est-ce que tu racontes? T'étais enceinte? Je ne suis pas enceinte, je ne sais pas de quoi maman parle, je ne suis pas enceinte, je ne sais pas de quoi elle parle. Odogu. Maman. J'ai accouché 3 enfants. Je suis une mère. Je reconnais une femme enceinte quand j'en vois une. De plus, ce que je vois étant assise, si tu veux, grimpe jusqu'au ciel. Tu ne verras rien. Elle est enceinte. Est-ce que tu es enceinte? Je ne suis pas enceinte. Je ne sais pas de quoi maman parle. Est-ce que tu es enceinte? Oui. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Hey! Mon Dieu! Hey! Je l'ai dit. Mon Dieu! Hey! Mon Dieu! Je l'ai bien dit. Hey! Tu m'as... Dis-moi qui est le père. Qui est le père de ce bébé? Qui est entré là-bas? Frérot, ce n'est pas ça. Hein? J'ai dit, qui est le père de ce bébé? Dis-le, dis-le. Yes. Promise, c'est entré, promise. Promise, c'est entré là-bas. Promise,
Omis est entré là-bas. Qui lui a permis d'entrer là-bas? Je ne l'ai pas laissé. Promis. Promis, mon ami. Oui. C'est lui qui est entré dans ton jardin. T'es que... Je vais te tuer. Pardon, mon frère. Maman, maman. Je vais te tuer. Mon ami Promis, tu l'as laissé entrer là-bas. Je ne l'ai pas laissé entrer. Oh. Non, non, non. Non, 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 non. Quel malheur, hein? Oh, Odogumwam, mon grand lion, le lion de la forêt. Odogu, Odogu. Maman, elles vont voir, je te le garantis. Odogu. Continuons. Bande de sorcières, qui perturbe la paix de cette concession? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes malade? Je savais que tu serais la première à sortir, petite sauterelle. Je vais la finir avec l'AK-47. Ah ouais. Demi Albinos, qu'est-ce que tu veux? N'as-tu pas fait assez de mal? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas ici pour gaspiller ma salive avec toi, donc va à l'intérieur et appelle ta mère. Ipéti que je suis là. Oui, maman. Va dedans et appelle ta mère. Maman. Idiote. Sauterelle. Appelle ta mère. Oh, la voilà qui arrive. Patapouf. Yuna, qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Maintenant que tout le monde est là, j'aimerais beaucoup que nous avancions. Écoutez, écoutez très bien. Propre. Je suis le commandant en chef des forces armées de la Fédération de cette concession. Mon grand lion. Et à ce titre, je voudrais que tout le monde, considéré normal ou pas comme les sorcières comme vous, d'évacuer cette maison pour moi. Je dois utiliser cette baraque. Sérieux? Lele, tu es vraiment stupide. Vraiment. Et Yuna, tu es vraiment, vraiment stupide. N'essaie pas. N'essaie pas. Essaye. Sérieux? C'est ce que tu veux faire dans cette concession. Tu es vraiment stupide. Tu n'as aucun respect. Aucun respect. Tcha, tcha, tcha. Tu n'as aucun respect. C'est vrai, ça? Donc, tu crois que c'est un débat entre nous? Un panel de juges, grande maîtresse du temps. Je parle, tu parles, hein? Ok. C'est très bien. Maintenant, écoutez, écoutez-moi bien. C'est la dernière fois que je me répète. Ce que je viens juste de faire. Normalement, j'aurais dû vous donner 2 heures pour partir. Mais j'ai pitié de vous. Donc, je vais vous donner 2 jours pour emballer vos soutiens-gorge, vos caleçons, vos haillons, toutes vos affaires et partir de cette concession dans la paix. Pour éviter les problèmes, non? Écoute-moi très bien, hein? Tu es vraiment très bête. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais que tu ne peux rien me faire. Laisse-les. Essaie et tu verras. Et tu verras. N'importe quoi. Non, parce que papa n'est pas dans cette concession. C'est pour ça que tu crois faire de stupides problèmes dans cette concession. N'essaie même pas. Tu ne peux rien faire ici. Et Yuna. Essaye. Il aime mon fils. Et il n'a besoin de l'approbation de personne parce qu'il est l'homme de la maison. Odogu Junior, mon grand lion, le seul et unique mâle. N'importe, je vois que tu es un malade mental. Oui. Et Yuna, dont tu souhaites que papa meure, tu n'as pas honte? Maman, arrête. J'espère ça. J'espère que tu sais ce que je suis arrête capable de faire lorsque je suis en colère. Tu ne peux rien faire du tout. Tu ne peux pas. Lâche. Arrête de pleurer. J'espère que tu sais. Je ne peux rien faire. Ce que je suis capable de faire. Je ne sais pas. Quand je suis fâchée. Peu importe. Biko, ne me touche pas. Biko, viens. Ne me touche pas. De toute façon, c'était le dernier avertissement. Si jamais je reviens, tous vos haillons et vos affaires, sacs et bagages hors de cette concession. Et si je reviens, ce sera plus grave. Le sang va couler. Essaye. Ce sera sanglant. Essaye. Tu ne peux rien faire. Mission terminée. Et Yuna, tu ne peux rien faire. Comme on est des femmes, on n'a rien à dire dans cette concession. Mission terminée. Et Yuna, tu ne peux rien faire. On vous attend de pied ferme. Mission terminée. Et Yuna et sa mère, vous ne pouvez rien faire. On vous attend de pied ferme. Mission terminée. N'importe quoi. Eh bien, sachez qu'on n'a pas peur de vous. Allez-vous-en. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Maman. N'importe quoi. Il ne peut rien faire. Rien du tout. On est là.
Dis-moi, es-tu vraiment sûr de ce que tu es en train de dire? Je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. Je m'en aime la main pour un point. Ce garçon a vraiment les yeux plus gros que son ventre. Hey, comment peut-il penser vendre le terrain de son père, le terrain de Ken, lui étant dans un état si grave? Quelque chose ne va pas chez lui. Laisse-moi te dire, je suis sûr que Marie est derrière tout ceci. Marie, cette femme, Marie, c'est une mauvaise femme. Bon. C'est une mauvaise femme. Écoute, n'allons pas très vite sur des conclusions. Hein? Gardons les doigts croisés et prions que Ken puisse se rétablir. Ne t'en fais pas, rien ne lui arrivera. Mais je dis que cette femme incite son fils à faire du mal. Mon frère, allons là-bas tout de suite. Ok. Dédé. Ok. Comment va notre frère? Comment va Ken? Un coq ne peut pas donner naissance à un canard. Je vous ai dit l'autre jour que la maladie de Ken n'est pas ordinaire. Oui, tu l'as dit. Et Coco, on ne comprend rien dans tout ça. Je veux dire, je ne comprends rien de tout ça. Que veux-tu dire? S'il te plaît, tu dois expliquer. Kobari Wajol. Oui, tu dois nous expliquer. Ken se porte mieux. D'ici demain, il sera complètement rétabli. Ok. Mais il y a un problème. Kekugene, hein? Oui, exactement. Ce garçon que vous avez dit que... il a poussé Ken l'autre jour, comment s'appelle-t-il? Ihuna, oui. Ihuna n'est pas son fils. Hey! Je le savais. Oui. Je le savais. Je le savais. Il n'a pas nos traits. Pas du tout. Je le savais. Hein? L'ignorance est vraiment une maladie. Et elle peut tuer. Il a été prévenu, mais il n'a pas été. Eh oh. Eh oh. Ken. Maman, on est rentré. Maman, on est rentré. Non, ici, papa est rentré. Donc voici l'entrée de la maison. Je pense que je vais entrer par la fenêtre. Et atterrir aussi, dans la cuisine. Comme ça, le propriétaire de la maison ne me verra pas. Je passerai par là. Les autres, je pense qu'ils vont passer par le toit. Et on pourra attaquer ensemble. Maman. Mon grand lion. Maman. Qu'est-ce que tu décides? C'est un plan du terrain que je voudrais vendre. Donc, je vais attaquer par l'est. Ok. Ouais, comme ça, les gens qui font la topographie et la géographie viendront de l'ouest, ouais. Mm-hmm. Et moi, je vendrai le côté nord. Ah, tu vas attaquer de l'est. Les gens qui vont faire la biographie et tu vas échapper au nord. Géographie. Bien reçu, bien reçu. Bien reçu, au revoir. Au revoir, au revoir. Dès que j'aurai vendu ce terrain, ça ira très très vite. Oui, ouais. On partira du côté du nord. Grand frère, papa t'appelle. Qui? Quel papa? Notre père nord, il est de retour, il a demandé que je t'appelle. Papa est là? Donc il est rentré et personne n'a pensé à me le dire? Il t'appelle. Donc il est revenu de son exil, hein? Pas de problème, je vais aller le voir. Allons-y. Où est-ce que tu crois aller?
Donc, si on appelle des gens qui ont des papas, tu vas sortir. Assieds-toi ici. Elle veut partir, messagère des dieux. Ok. Alors, tu es finalement revenu d'exil. Ah, très bien. Même quand Ojukwu est revenu de son exil, Shagari lui a pardonné et je vais te pardonner. Ah, c'est ça la raison de ce rassemblement spécial. Iuna, à quel point tu connais ta mère? À quel point est-ce que je connais ma mère? Quel genre de stupide question est-ce là? Non, oncle Isamu. Pardon, ma langue a fourché. Je n'ai aucun problème avec toi. Hein? C'est avec mon père. Donc, papa? Dois-je comprendre que c'est ta nouvelle stratégie? Hein? Donc c'est là la stratégie que tu veux adopter pour ne pas partager tes biens? Eh bien, c'est raté. J'ai tout compris. 4-4-2. 4-4 combien? 2. La défense et l'attaque. Qu'importe comment tu le veux, je vais te le donner. Tous ces biens, tu vas les partager. Maintenant, écoute. Tu n'es pas le fils biologique de cette famille. Hein? Et donc, personne ne te donnera aucun bien. Ikoku, je t'en prie. Je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes dire ce genre de choses ici. Je t'en prie. Ikoku ne ment pas, ni ne clansiche avec quiconque. Et on a que voici n'est pas ton fils. Mais Ezemo, qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Quel type de drogue est-ce que tu prends? J'ai été élevé dans cette famille. Ce que tu dis ne peut pas être possible. Le fait que tu aies grandi ici ne fait pas de toi le fils de cette famille. Va demander à ta mère si elle te dira la vérité. Que j'aille poser des questions à ma mère? Les dieux ne mentent pas. Voilà le plus espiègle des mensonges. Il ment très très bien. Je vais lui demander, je reviens. Que raconte-t-il? C'est du n'importe quoi. Non, mais c'est le seul enfant garçon de la famille. Hein? Et le reste? Ce ne sont que des filles. Elles iront toutes en mariage et moi je vais rester comme ça tout seul. Hey! Hey, oh. J'ai très faim. J'ai vraiment hâte de faire cette soupe aux légumes avec du couscous. Eh oh, mon grand lion, assois-toi et pas question que je m'asseye. Mon lion, qu'est-ce qui te prend? Qui est mon père? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle? Qui est mon père pour la dernière fois? Je n'y comprends toujours rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oulna, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu parles à maman comme ça? Je vois que tu ne veux pas parler. Je ne sais pas. D'ici à ce que j'aille prendre mon arsenal et que je revienne, tu me diras la vérité. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, hein? Tu es allé voir ton papa. N'est-ce pas toi qui es venu l'appeler? Après que... De quoi est-ce qu'il parle? Que se passe-t-il là? Est-il devenu fou? Ah! Hey! Et moi, laisse-moi parler. Tu es allé prendre le fusil. Dis-moi la vérité. Hey. Ouais, lève-toi, dégagez. Je me lève, non? J'étais accouché. Hey. N'avance! Dépêche! Je marche. Hé, hey, mon grand lion! Qui est ton grand lion? Je te dis de marcher! Je vais t'exploser la cervelle! Ne me tire pas dessus! Je repèse l'arme! T'as plus intérêt à mentir! Hey, wow. N'avance là-bas, sorcière! Iluna, dépose l'arme! Hey. Dépose l'arme! N'avance! Hey. Mon grand lion! Ne pousse pas! Je avance! Tu ne peux pas me faire ça! Tu veux que je te tue? Ça n'as-tu pas honte? Qui est-ce que tu appelles ton grand lion? Qui est ton grand lion? Mon grand lion, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Maman, ils arrivent.
Marche. Hein? Je ne veux pas discuter. Quand on sera là-bas, tu pourras dire tout ce que tu veux. Pour l'instant, je ne veux pas t'entendre. Marche. Hey! Maman. Hey! Maman. Aisez-moi. Si tu es certain de ce que tu as dit à propos de ma mère, tu peux le répéter. Elle est là. Les dieux ne mentent pas. Oga, laisse-nous cette histoire de dieu de vérité. Répète juste ce truc que tu as dit concernant ma mère. Tu peux le dire maintenant. Rien à foutre des histoires des dieux. Maman, dis-lui que c'est un mensonge. Dis-lui. Hé, 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 que tout le monde se calme. Yeah. Tu n'es pas le fils biologique de cette famille. Yeah. Maman, t'as entendu ça? Non. Confesse tes péchés maintenant. Ou dans 10 minutes, tu verras la réaction des dieux. Confesser quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Essaie. Tu vas bientôt m'énerver. Essaie de quoi je parle. Confesse maintenant. Je t'en prie. Maman, dis-lui que c'est un mensonge. Dis-le lui. Je dis de confesser tes péchés. C'est vrai. Ah, n'est pas ton fils. Mary, comment ça? Maman. Comment ça, Mary? Hein? Ce n'est pas ton fils. Mary, hey, comment ça? Comment hey, ça, Mary? Hey. En fait... Que va-t-on faire à ce sujet maintenant? Tu me poses la question. Écoute, je suis confus. Ose la seule chose à faire dans cette condition maintenant. C'est que tu viennes demander ma main en mariage. S'il te plaît. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Mais tu dois comprendre que je ne suis pas prêt à me marier maintenant. Et mon père ne me laissera pas coucher hors mariage. Ça n'arrivera pas. S'il te plaît. Ok. D'accord, c'est bon. Je vais trouver une solution à cela. C'est bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je dois venir m'épouser. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose pour toi. Ok. Qu'est-ce que c'est? Prends ça. Prends. Ozo, qu'est-ce que c'est? Bois ça. Et le bébé disparaîtra. Viens-tu tout juste dire que le bébé va partir? Ouais. Donc, tu veux que j'avorte de notre bébé? Pourquoi es-tu comme ça? Mary, essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Tu sais, j'ai pas d'argent. Et je suis pas prêt à être père maintenant. Essaie de comprendre. Ouza, ce n'est pas bien. Pourquoi veux-tu que j'avorte de notre bébé? Pourquoi? Ce n'est pas juste. Ha ha.
Ne sois pas bête, Mary. Utilise ta tête. Ken demande ta main en mariage. Et ça, c'est le moment d'accepter. Comme ça, cet enfant aura un père. De plus, je n'ai même pas sûr que ce remède traditionnel évacuera le bébé. Ça pourra même me tuer. Non, je n'évacuerai pas cet enfant. Je suis très sûre que c'est un garçon et que Ken sera un bon père pour lui. Non, je n'avorterai pas cet enfant. Je suis heureuse d'entendre ça. Je te le promets, tu ne le regretteras jamais. À quoi servent les amis? Merci. Nous sommes meilleurs amis, je te ferai toujours sourire. Je suis vraiment reconnaissante. Vous semblez être contente. Qu'est-ce que vous célébrez? Oh, mon mari, devine quoi? Tu as cuisiné un autre repas. Oh, non. Mary a décidé de t'épouser. Mary, c'est vrai? Oui. Que les dieux soient loués. Il sait. Je suis désormais le mari de deux belles femmes. Viens. Ça mérite d'être célébré, viens. Viens toi aussi, on va célébrer ça ensemble, viens. Oh. Venez, on y va, on doit fêter tout ça. Hey! Hiya! Oh! Alors, comme ça, tous mes spermatozoïdes ne produisent que des filles. Dieu de notaire, Dieu de notaire, pourquoi moi, ce n'est pas bien? Sans problème, je vous laisse tout. Je vous laisse tout. Désolé. Oh! Pardon, maman. Tu savais que ce n'est pas lui, mon père biologique. Mais tu m'as quand même laissé me battre pour ce qui ne m'appartient pas. Donc tu étais au courant tout ce temps. Mon plan n'était pas de te mentir. Je comptais, j'ai seulement les intérêts. Maintenant, tu viens me couvrir de honte, tu mérites une balle, hein, mendeuse. Calme-toi, calme-toi. Quoi, quoi, tu veux prendre sa place? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, Dogo, s'il te plaît, reviens. Quelqu'un implore mon fils pour moi. Pardon. Écoute-moi. Allez, dégage, dégage. Dégage de ma vue. Dégage de ma vue, je te déteste. Calme-toi, mon frère. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les dieux m'ont seulement donné des filles, des deux femmes. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la volonté des dieux. Accepte-le. Regarde, mon frère, c'est le sort des dieux. Les dieux savent. Ils savent pourquoi. Ma mission ici est terminée. Ambengue. Maman. Les dieux m'ont durement frappé. Est-ce que je suis maudit? Tu t'imagines? Est-ce que je suis maudit? Non. Oh, les dieux m'ont refusé. Les dieux m'ont refusé un garçon. Écoute, ça va aller, mon frère. Mon mari, cesse de réfléchir. Tu sais que t'es pas en forme, hein? S'il te plaît, ne laisse pas cela trop t'affecter. Pourquoi est-ce que Mary m'a fait ça? Pourquoi? Dieu merci. La vérité a enfin été révélée. Mais ce n'est pas une raison pour réfléchir jusqu'à mourir. S'il te plaît. Je suis complètement brisé. Naï,
Nous sommes tous brisés. Ça nous a tous pris au dépourvu. Oh, ressaisis-toi. Tu n'es pas en forme. Pardon. Papa. Papa, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai fait énormément de mal à toi et à cette famille. Et pour ça, tu n'es pas censé me pardonner. Biko, papa. Biko, papa. Je n'étais pas conscient en faisant toutes ces choses. Tu sais, de temps en temps, je fume, donc mon cerveau était complètement bloqué. Je n'ai pas fait toutes ces choses exprès, papa. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je fais partie de cette famille, je sais. Je ne saurais pas comment m'en sortir sans cette famille. Je ne connais que toi comme père. Je sais que les autres sont mes sœurs. Nous sommes une famille. Hein? S'il te plaît, ne me rejette pas, papa. Je suis désolé. Papa, je suis désolé. S'il te plaît. Mon mari. Biko. Mon chéri. Le père de mes enfants. Pardonne mon fils et moi, je t'en supplie. Quand il faisait toutes ces bêtises, il te criait dessus et je copiais. C'est mon fils et tu ne peux pas séparer un fils de sa mère. S'il te plaît, s'il te plaît, ne le chasse pas d'ici. Prends-le comme ton fils, pardon. Pitié, pardonne-moi pour toi. Je sais que je ne suis pas digne d'être appelée ta femme. Tu sais que c'est l'exubérance de la jeunesse qui a emmené mon fils. Pardonne-moi. Essaye de pardonner un peu. Pardon, je t'en supplie. Pardon. Il fait ma meilleure amie. Mon ami d'enfance. Mon ami. Mon ami. Pardon. Supplie notre mari de nous pardonner, pardon. Naï, pitié, pardonne-leur. Hein? Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Pardonne-leur, hein? Bonne femme, tu es un vrai ange. Dieu va te bénir, Naï, bénis-la. Sois béni. Dieu va te bénir. Héruna, lève-toi. Bien que tu aies fait de terribles choses qui pourraient pousser un père à tourner le dos à son fils, j'ai toujours besoin de toi, dans ma famille. On a toujours vécu comme une famille, même si on avait des hauts et des bas. Cependant, je crois que ce n'était pas du tout pour me diviser, mais pour nous réunir. Viens là, je te pardonne. Hey, merci, je l'ai bien dit. Et tu es mon fils. Merci, papa. Ne recommence plus ton mauvais comportement. Au revoir, au revoir. Je dis bien, ne recommence plus. Au revoir. Non, au revoir. Allez, venez. Allez, viens là, mon fils. Mon ami. Ada, ma sœur. Mon grand lion, viens dans mes bras. Vous deux, toutes les deux. Allez à la cuisine. Ada, hein? Allons allez avec ensemble. Elle. Je suis trop content que ton père m'aime bien. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas cru. J'allais oublier. Quand repars-tu en ville? Eh bien, je suis censé partir. Mais je n'en suis plus sûre. Je veux dire, comment puis-je aller en ville en te laissant derrière? Yeah! Je suis si contente. Contente que je ne reparte plus en ville. Ah ouais? Oui, je suis contente. Aurais-je ton temps maintenant? Oui. Ton attention? Uh-huh. Ton amour? Tu es très drôle, honnêtement. Bah, je sais. Oh,
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Once upon a time, in a particular community, there happened to be a boy whose name started with I. There happened to be a boy whose name started with I. His name is Ihuna Ewo Ajonwa. Require for Nabia Ihuna Ajonwa Ihuna. Oh, for the Require for Nabia Ihuna Ajonwa Ihuna. Gidigidi woke, wabrano, ajonwa se owere bande ya boy yuna. Amonwa neluwa udobi konenye, amonwa neluwa udobi konenye. Mama neti ewo wo chine kimela, papa neti ewo wo chine kimela. Abato bina bia, unyombo na ne. Mary, the one.